I want to welcome our dear Pastor Oko. J'aimerais accueillir notre cher Pasteur Once Oko. Again, encore une fois. To the pulpit. Au pulpit. Alléluia. Alléluia. I can't hear myself. Can you hear me? Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? I can't hear myself. I can't hear myself now. Let's pray. Father, we thank you so much once again for this morning. Ce matin, I ask, O Lord, te demandons, Seigneur, that you raise us up to become faithful men and women. Que tu vas nous élever à devenir des personnes fidèles. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. You may be seated. Prenez place. Let me give you words for a song. I don't know whether I can teach it immediately, but je vais vous enseigner des paroles d'un chant. So write down, please, everybody. Donc, écrivez, tout le monde écrivez ces paroles. And those who can't speak English, it doesn't matter, right? Donc, surtout ceux qui ne parlent pas français, en anglais plutôt, doivent noter maintenant. When I was in nursery school, I know what's going on. No. When I was in nursery, they used to teach me French songs. Frère Jacques, chante Frère Jacques. I didn't understand. I sang it. Frère Jacques. Yes. Jante play malé la play, jante play malé la play. Who sing? When I teach you English, sing. Okay? You mind me? I'll go back to Ghana. Okay, the board. All right, so right, when you found me. Donc, quand tu m'as trouvé, c'est la traduction. Traduction. I wonder whether it can work, but you're right. When you found me. When you found me. Ah, madame. Donc, notez en anglais, when you found me. Yes. My whole life changed. Wasn't it there? Yeah, that's what I said. I said life. My life and world, the same thing. I'll beat you here. My whole world changed. Why now when I'm preaching, people will laugh at me? You don't laugh, it's just me laughing. I'm redeemed by your light. I'm redeemed by your light. Soji, now there's one lying down. And it's a very bad excuse. You go to the diner and say, I don't have a fork. Go for him. I don't have a spoon. And you're sitting there looking at the food. You use your shoe. Your shoe to eat the food. You find a pen. Let the earth sing. Let the earth sing. You are freedom. Turned my darkness to light. Then there's a bridge, says, you welcomed me in. You welcomed me in. Welcomed. That's past tense. You welcomed me in. Is it welcome or welcomed? Me in with open arms.
arms. Into an ending life. An ending is UNENDING. An ending. It's the same as eternal life. Into an. Or you people sing it here. Do you sing it? Okay. And the chorus goes, I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power and your word, Jude. Yeah. Gospel, Lord. You're afraid. Ashamed. Not ashamed, not a gospel, Lord. Your power and your love, you saved my soul. Now I'm alive in you. What's the next day? Yeah, thank you. I live in the risen sun. So she have a headache. Me too. That makes two of us. But it's the bread. It's very hard. I live in the risen sun. Sun, S-O-N, feast. Not soleil. You've written soleil. Risen sun. Okay. No, maybe I'll preach. After I preach, then I'll teach the song. Okay, when I see you. Prêcher, après on va prendre le chant. I think when you start falling sleepy, then I'll. Quand vous allez commencer à vous endormir là, on va enseigner le chant. Hallelujah. Amen. So we started the camp yesterday. Nous amen. Avons commencé le camp hier. And the theme of this camp is loyalty. Et le thème de ce camp, c'est loyauté. Raising faithful men. Élever des personnes fidèles. Where's the loyalty? This is the first time I've gone for a camp that I've used chalk. La première fois j'arrive dans un camp, j'utilise une craie. Loyalty, raising faithful men. Amen. Loyauté, élever des personnes fidèles. And our key verse is 2 Timothy 2:2. Et notre verset clé, c'est 2 Timothée 2, 2. Let's read it together. Lisons-le ensemble. It says, and the things let's start from verse 1. Let's start from verse 1. Since that, premier verset, yeah, thou therefore my son, toi donc mon enfant, be strong, fortifie-toi, in the grace that is in Christ Jesus. Dans la grâce qui est en Jésus Christ. And the things, et ce que tu as entendu de moi, that thou hast heard of me among many witnesses, en présence de nombreux témoins, the same, les mêmes choses, commit thou, confie-le, to faithful men, à des personnes fidèles, who shall be able to teach others, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, and the things, et les choses, that thou hast
heard of me, que tu as entendu de moi, among many witnesses, parmi de nombreux témoins, the same, les mêmes choses, commit thou, confie-les, to faithful men, à des personnes fidèles, who shall teach others, qui vont enseigner d'autres. Amen. Amen. God wants to raise amongst the young people in this church, Dieu veut élever les gens parmi dans le monde de cette église, into faithful men, en des personnes fidèles. Lighthouse Chapel will not end with us. Lighthouse Chapel ne va pas s'arrêter avec nous. It will continue. Ça va continuer. And I reminded you yesterday, et je vous ai rappelé hier soir, that this is not a camp of Boy Scouts. Ce n'est pas un camp pour des scouts. Or save the whales. Do you know save the whales? Ou sauver la baleine. Do you know baleine? Save the whales or Greenpeace. Ou Greenpeace. No, or Amnesty International. Ou Amnesty International. No, this is Lighthouse Chapel. Ici c'est Lighthouse Chapel. Yeah, once you walk through this door, this is Lighthouse Donc, Chapel. Quand vous avez traversé cette porte là, ici c'est Lighthouse Chapel. Yeah. And God's intention is that the next generation should faithfully take up the mantle that we have carried. Et l'intention de Dieu c'est que la génération qui vient puisse prendre le manteau que nous portons. When you look through the Bible, quand vous regardez dans la Bible, you see in too many places, vous allez voir dans tellement d'endroits, God doesn't like one generational things. Dieu n'aime pas quelque chose qui est attaché à une génération. It's a tragedy. C'est une tragédie. It's a tragedy. C'est une tragédie. When you have a man, quand vous avez un homme, who does well, qui fait du bien, and then he leaves his inheritance, et il laisse à son héritage, unto foolish children, à des enfants qui sont fous. Bishop tells us about the story of a man in Ghana. Le bishop nous a raconté l'histoire d'une personne au Ghana. Very successful man. Qui avait beaucoup de réussite. Built nice houses. Qui a construit de belles maisons. With air conditioners. Avec le climatiseur. Which is very rare in Ghana. Qui est très rare au Ghana. Yeah, he had air conditioners in all the rooms. Il y a des climatiseurs par-ci par-là dans les salles. And then he died. Et il est mort. And then his son. Et son fils. His son was foolish. Son fils était stupide. He couldn't maintain what his father built. Il ne pouvait pas maintenir ce que son père avait construit. He was a drunkard. Il était un alcoolique. No, there's a difference between drunkard and drinkard. Drunkard is the then you go. No, drinkard you just drink. No, stop drinking. It's a difference between drinkard and drunkard. Donc on va dire en français qu'il y a, il y a les ivrognes et il y a les grands buveurs. Le français est limité. It's limited. Français is limited. Anyway, so this boy was a drinkard. And donc, you know what he'd go and he'll do? Cette personne était un grand buveur. Because he didn't have money. Parce qu'il n'avait pas assez d'argent. He would go and take an air conditioner. Il allait prendre un climatiseur. And he would give it to the barman. Et il allait donner au barman. And he said, how much is this one? Et il disait, combien ça coûte ce climatiseur? He said, 2000 francs. Il disait, ça coûte 2000 francs. I'm going to drink the air conditioner 2000 francs. When je vais boire le prix de du climatiseur 2000 yes. francs. So he drank all the air conditioners in the house. Donc il a consommé tous les climatiseurs dans la maison. When he took the mattresses, et quand il a fini, il gas stove, dans l'adresse. Until he drank the house. Jusqu'au moment où il a consommé toute la maison. Yeah, he drank the house. Il a bu la maison. Foolish son. Un enfant stupide. But when you look at in the Bible. Mais quand vous regardez dans la Bible. God has always desired that the generations after would take up from where their fathers left off. Dieu veut toujours que la génération qui vient après puisse continuer ce que la génération précédente a fait. So you realize when Jesus came into this world. Donc vous réalisez que quand Jésus est venu dans ce monde. As powerful as he was. Aussi puissant qu'il était. As powerful as he was. Aussi puissant qu'il he était. He was the son of God. Il était le fils de Dieu. He could have done il aurait pu faire comme ça. Everybody would have changed. Et tout le monde aurait pu changer d'un coup. There was a day, there was a storm. Il y avait un jour où il y avait des tempêtes. He was asleep. Il dormait. Il ronflait. His disciples woke him up. Jesus. Les disciples sont venus le taper. Mais réveille-toi, Jésus. Then he woke up. Et il s'est levé. What's the matter? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Storm! Regarde la tempête! Regarde la tempête! Storm, shut up. Elle dit, tempête, tais-toi.
And the storm shut up. Et la tempête s'est tue. Said, Peter, don't wake me up again. Elle dit, Peter, ne me réveille plus. That was Jesus. Ça, c'était Jésus. That was Jesus. Ça, c'était Jésus. But even Jesus, mais même Jésus, he realized, il a réalisé that when he goes, que quand il partait, somebody will have to continue. Quelqu'un devait continuer. So for 3 years, donc pendant 3 ans, he called 12 men, il a appelé 12 and personnes. He said, follow me. Il a dit, suivez-moi. Everywhere I go, follow. Partout où je vais, suivez. And when you see me doing something, do it also. Et quand vous me voyez faire quelque chose, faites-le aussi. One day he was hung on a cross. Un jour il était cloué à la croix. Il est mort. 3 days later, 3 jours après, he rose up from the dead. Il est ressuscité des morts. 40 days he was showing himself to selected people. Pendant 40 jours, il se montrait à des personnes qu'il avait sélectionnées. One day he rose into heaven. Avant de pouvoir monter aux cieux. As he was rising to heaven. Pendant qu'il s'est levé dans les cieux. His hope and intention. Son intention et son espoir. Was that the men who were left behind will continue. Était que les gens qui étaient après lui continuent. Thank God. Remercions Dieu. We thank God. Nous remercions Dieu. That they didn't give up. Qu'ils n'ont pas abandonné. They wanted to give up. Ils avaient envie d'abandonner. I tell you, je vous le dis. They wanted to give up. Ils voulaient abandonner. When Jesus, died, quand Jésus est mort, Peter was a fisherman before Jesus called him. Pierre était un pêcheur avant que Jésus l'appelle. So when Jesus went, donc quand Jésus est parti, he said, I'm going back to my fishing moi, business. Je vais rentrer aussi à ma pêche. And then, you remember Jesus asleep. Vous vous rappelez, Jésus s'est endormi. Jesus said, ah, you're going fishing here. Jésus a dit, toi, tu vas aller pêcher maintenant. Ok. You are told you to go and you are going fishing, eh? Toi, je dis d'aller prêcher, toi, tu vas pêcher. That day, they worked the whole night. Donc, ils ont travaillé toute la nuit. When the net goes into the water. Quand le filet, merci, yeah, est entré dans l'eau. Then Jesus would tell the fish, net is coming, net is coming, net is coming. Pierre disait, oh, il y a encore des choses qui viennent, des choses qui viennent. Net, the net is coming. Le filet. Le filet vient, il arrive. Vient. Il arrive. Then the fish would dodge. Et les poissons sortaient. Then he will move to then Peter will move his boat to another place. Alors Pierre bouge son bateau vers une autre place. Then he throw the net into the water. Alors il lance encore les filets dans l'eau. And then when the net is, then Jesus will go underwater and say, hey, Peter is coming up, run away. Alors Jésus entre dans l'eau et dit, Pierre arrive, les poissons, échappez-vous. Yes. That day, ce jour-là, even do you know tadpole, you don't know tadpole, the little frog, small. Ah, les sardines. No, pas sardines. Ah, les tétards. Les tétards. Tétard. 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 Petit là. Teta, huh? Teta. Even Teta, he didn't get one. Même le Teta, Pierre n'a pas réussi à attraper un seul. Même Teta. Même le Teta. Un seul, seulement comme ça. Rien. And then, after they came to the shore. Alors après, ils sont arrivés sur la when rive. When they came, Jesus was on the shore. Quand ils sont arrivés, Jésus était sur la rive. Roasting fish. Il était en train de griller du poisson. Jesus. Mais, ils ont dit, mais Jésus. Jesus. Jésus. Roasting. Il lui est en train de griller du poisson. Then he asked Peter. Elle a demandé à Pierre. Do you have fish? Elle dit, toi tu as du poisson? I think you should clap for Jesus. Donc vous devez applaudir pour Jésus. Yeah. Yeah, Peter, do you have fish? Elle dit, Pierre, toi tu as pu avoir du poisson? Peter said no fish. Pierre a dit, j'ai pêché mais j'ai pas attrapé de poisson. Then Jesus showed him where to put his net. Alors Jésus lui a montré told où all mettre son the fish to gather in one place. Parce qu'il a rassemblé tous les poissons en une seule place. Fish, all of you, come here, be here, wait. Tous les poissons ont dit venez, restez là. J'arrive. What am I saying? Qu'est-ce que je veux dire? I am saying that we cannot give up on the mandate that God has given to us as the young people in this church. Je veux dire par là qu'on ne doit pas abandonner dans le mandat que Dieu nous a donné en tant que jeunes personnes. We cannot. On ne doit pas. Neither can we joke with it. Donc on ne doit pas non plus plaisanter avec ça. Because parce que the salvation of a whole nation is in our hands. Le salut de toute cette terre est entre nos mains. It is true. C'est vrai.
You may look at yourself. Vous pouvez vous regarder vous-même. And say, how can God use somebody like me? Et vous dites, mais comment Dieu peut utiliser une personne comme moi? That is what God likes. C'est ce que Dieu justement aime. Taking people who don't believe they can do anything. Prendre des personnes qui croient qu'ils ne peuvent rien faire. And using those people. Et utiliser ces personnes-là. Like the disciples. Comme les disciples. If Jesus was to use somebody, si Jésus devait utiliser une personne, it shouldn't have been the disciples. Ça ne devait pas être les disciples. They didn't know anything. Ils ne connaissaient rien du tout. They were rough. Ils étaient rudes. Uneducated. Sans éducation. He should have used the Pharisees. Il aurait pu utiliser les pharisiens. Who knew the law. Qui connaissaient toute la loi. It would have been easier for Jesus. Ça aurait été plus facile pour Jésus. But it wouldn't have been a miracle. Mais ça n'aurait pas été un miracle. So he said, no, I will not use the Pharisees. Donc il a dit, non, moi je n'utiliserai pas les I pharisiens. I will use simple fishermen. Je vais utiliser des simples pêcheurs. So he took these fishermen. Donc il a pris ces pêcheurs. And he trained them. Et il les a entraînés. And filled them with his spirit. Et il les a remplis de son esprit. So that on the day of Pentecost, pour qu'au jour de la Pentecôte, they stood up, qu'ils se lèvent, and they preached, et qu'ils prêchent, and 3,000 people gave their lives to Christ. Et 3,000 personnes donnent leur vie à Jésus. And when the people looked into their lives, quand les gens regardent dans leur vie, there was only one explanation. Il y a une seule explication. Only one. Une seule. They said, these people have been with Jesus. Que ces gens-là étaient avec Jésus. That was the only explanation. C'est toute, c'est la seule It wasn't their family background. Il n'était pas à cause de leur famille. Their training. Ce n'était pas à cause de leur éducation, not because of the school they went to. Ce n'est pas à cause de leur école là où ils sont allés. It was because they had been faithfully with Jesus. Mais c'est parce qu'ils étaient fidèles avec Jésus. If God was to choose somebody to use, si Jésus devait utiliser une personne pour utiliser, it wouldn't have been me. Ça ne serait pas moi. In my family, there are six of us. Dans ma famille, on est six. If you are thinking about choosing somebody, et donc si on devait choisir une personne. Not me. Ça ne serait pas moi. I'm a twin. Je suis jumeau. Yeah, I have a twin sister. J'ai une sœur jumelle. Very smart. Qui est très intelligente. Very spiritual. Qui est très spirituelle. At a point, she, even though she's younger than me. Même si elle est plus jeune que moi. No, 10 minutes. De 10 minutes seulement. No, she should have come first. Elle devait venir avant moi. Then I said, wait. Mais moi, j'ai mis mon père, j'ai dit, attends. Yeah. J'ai dit attends. Yeah, because I can you imagine if I had a big sister? Imaginez-vous, est-ce que vraiment si elle était plus grande que moi? Plus grande que moi. Attends. J'ai mis mon pied comme ça. Après, tu peux venir. Wonderful sister. Une sœur merveilleuse. Wonderful. Une sœur merveilleuse. But today God has chosen to use me. Mais aujourd'hui, Jésus a choisi de m'utiliser. I can't tell you everything about Je ne peux pas myself. Vous raconter tout cela à propos de moi. I am saying God will use you. Je vais vous dire, Dieu va vous utiliser. Young people, that I said God will use you. Jeune personne, je tiens à vous dire, Dieu va t'utiliser. When I say that, you are supposed to say amen. Quand je dis cela, tu es supposé dire amen. Young people, God is going to use you. Je dis, Dieu va t'utiliser. God is going to use you. Dieu va t'utiliser. God is going to use you. Dieu va t'utiliser. Lift your hand and say amen. Lève ta main et dis amen. 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 And I'm not joking. Et je ne blague pas. Why should I leave my family? Pourquoi je dois quitter ma famille? And Doremi, Fasol hasn't come yet. But Doremi, il y a encore Fasol n'est pas encore arrivé. Are you God? okay. Thou art a prophetess. Yeah. I've traveled in an aeroplane. Now when you are sitting in an aeroplane, it's not like those days, so. Maintenant, quand on est dans les avions, ce n'est pas comme avant. Aeroplane! Maintenant, on est dans l'avion. Now when you sit in an aeroplane, it's... On est assis comme ça. I said, what punishment is this? C'est quoi tout cela?
But the message that you are hearing is so important. Mais le message que vous écoutez est tellement important. I'm not joking. Je ne plaisante pas. I'm not a comedian. Je ne suis pas un comédien. I may be funny, but I'm not a comedian. Je peux être drôle, mais je ne suis pas un comédien. I'm a preacher. Je suis un prédicateur. And I came to Switzerland. Et je suis venu ici en Suisse. To tell you the young people. Pour vous dire à vous jeunes personnes. That God wants to commit to you. Que Dieu veut que vous soyez He engagés. He wants to commit. To you, faithful men and women, il veut s'engager avec vous en tant que personne his fidèle. Word sa parole and his ministry. Et son ministère. Amen. Amen. Lift this way. This is what you should lift your hand up and say, "I receive." C'est là it. Vous devez dire, je lève ma main, je reçois. So I receive the ministry. Je reçois le ministère. Usually, when you say, "I see you receiving a Mercedes Benz," everybody, I receive it. En général, quand on dit, je te vois recevoir. Quand en général on dit se voir recevoir une Mercedes, il y a des gens qui lèvent la main. Vous avez vu l'exemple? Well, when you buy the Mercedes, but you don't have money for petrol. Dieu t'a donné une Mercedes, mais t'as même pas l'argent pour l'essence. I came here to tell you that God is going to use you, young. Je venais vous dire ici que Dieu va vous utiliser. I feel it in my spirit. Je le sens dans mon esprit. To save the church. Pour sauver l'église. And save this nation. Et sauver cette nation. Many years ago, il y a des années longtemps, je disais toujours ces choses. People left Switzerland. Que des gens ont quitté la Suisse. Young men and women. Des jeunes femmes, des jeunes hommes. No aéroplane. Il n'y avait pas no d'aéroport. Email, il n'y avait pas d'email. No mobile phones. Il n'y avait pas de téléphone mobile. Just a wooden boat. Il y avait juste un bateau en bois. And faith. Et la foi. And they came to my country. Et ils sont venus dans when, son pays. When they came, et quand ils sont venus, we sent our ground troops. On a envoyé nos troupes de guerre. And our air troops, paratroopers. Do you know the air troops? Et on a envoyé nos parachutistes. Mosquito. C'était les moustiques. And the moustique finished them. Et les moustiques les ont terminés tous. Then they say, bring another group. Alors ils ont dit, ok, on va envoyer un autre groupe. And they came. Et ils sont venus. And they came. Then they said, you've come again. Et là on s'est dit, oh, vous êtes encore revenus. Encore une fois. So they are dead. Et là, ils sont tous morts. Bring another group. Et en amenant encore d'autres. And they brought another group. Et ils ont encore envoyé un autre But groupe. But this time, this group has said no. Mais cette fois, ce groupe a dit non. We have to dodge these mosquitoes. On doit faire attention à ces moustiques. So they left Accra Donc and they went into Accra, the mountains. Et ils sont allés dans les montagnes. Just like the mountains we are in here. Comme la montagne où nous sommes ici. Because it's just that the mountains they are just like Swiss mountains. Les montagnes qui sont là-bas sont comme les just montagnes that we qui sont don't en have cows. Mais juste là-bas il n'y a pas de vaches. And they survived. Et ils ont survécu. And with their blood and their lives. Et avec leur sang et avec leur vie. They gave Ghana Christianity. Ils ont donné au Ghana le christianisme. Oh, clap. Ghana is the only country in West Africa that has more than 50% Christians. Ça, c'est le seul pays maintenant dans l'ouest de l'Afrique qui a plus de 50% de personnes qui sont chrétiens. It's the only country. C'est le seul pays. Even Liberia. Même le Liberia. It's not, they don't have more than 50%. Non, pas plus de 50% Even de chrétiens. Nigeria. Même le Nigeria. Nigeria, they are loud. Les Nigériens parlent fort. Oh! Ils font trop de bruit. But, pas du tout. Pas du tout. Yellow card. But they can't. Ils sont they très éloquents. It took the blood of Swiss people. Il a fallu le sang des personnes suisses. To save me. Pour me sauver moi. And I believe that God wants to bless this country again. Je crois que Dieu veut bénir ce pays with encore the une blessing fois. Of his gospel. Avec la bénédiction de son évangile. That is why every time I come to this country, I come with hope. C'est pour cela chaque fois que je viens dans ce pays, je viens avec de l'espoir. And when I speak to the young people in this country, I feel that it is a prophetic thing. Et quand je parle aux jeunes de ce pays, je pense à quelque chose de prophétique. Yeah.
God is going to use you to save a nation. Dieu veut vous utiliser pour sauver une nation. And God is going to use you. Et Dieu va vous utiliser to continue Lighthouse Chapel International. Pour continuer Lighthouse Chapel International. Amen. Amen. And yesterday we started looking at being faithful in the word. Et hier on a commencé à regarder être fidèle à la parole. 2 Timothée 2:2. 2 Timothée 2:2. He says, and the things that thou hast heard of me. Dit les choses que tu as entendues de moi. The things that you have heard of me. Les choses que tu as entendues de moi. When you talk about hearing, quand on parle de l'écoute, you are talking about words. On parle de mots. You're talking about words. On parle des mots. The words that Paul spoke. Les mots que Paul a dites. The words that Paul has written. Les mots que Paul a écrites. Which today we are using to preach. Qu'aujourd'hui on utilise pour prêcher. So when he told Timothy the things that thou hast heard of me. Donc quand il dit à Timothée les choses que tu as entendues de moi. He was simply saying the word of God. Il disait simplement la parole de Dieu. So the things that thou hast heard of me among many witnesses. Il dit les choses que tu as entendues de moi parmi de nombreux témoins. The same commit to faithful men. Les mêmes choses confiées à des personnes fidèles. Faithful in the word. Fidèle à la parole. Yesterday we looked at two times that we can read the word of God. Et hier on a regardé deux moments pendant lesquels on peut lire la parole. What are those two times? Quels sont ces deux moments? Yes, my brother. Day and night. Amen. Everybody say day and night. Jour et nuit. Tout le monde dit jour et nuit. Somebody say I should be faithful in the day. Tout le monde dit je serai fidèle le jour. And faithful at night. Et fidèle la nuit. Amen. Amen. So this morning, hey, Sochi, don't lie down. Okay, sit up, please. I beg you. If you sleep, I also sleep. Si tu dors, je dormirai aussi. Mm-hmm. Like Jesus. Okay. Amen. What verses did we look at? We looked at Psalm 1, verse 1. Quelle version on a regardé? C'est le Psaume 1, verse, verset actually, 1. Psalm 1, verse 2. Et le Psaume 1, verset 2. Yeah. Which says what? Qui dit quoi? Which says what? Qui dit quoi? Where's your Bible? So open. Anytime I mention a verse, open your Bible. Donc ouvrez vos Bibles. Rahel, et dites-moi, ça dit where's quoi? Where's your Bible? You don't have one. So share with them, Toby. Yes, share. Psalm 1 verse 2 says what? Le psaume 1 verset 2 dit quoi? By his delight. Please, let's read it together. French, English, German, ensemble, everybody. Tout le monde ensemble. Everybody read. Ready, tout le monde go. Ensemble. Allons-y. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Again, everybody. Encore. Again. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Amen. So day and night. Donc jour et nuit. Jour et nuit. Day and night. And tag and what? Nacht. Uh-huh. My German is trying to come. Ça c'est en allemand. Tag und Nacht. Weisen, schießen, schießen. Amen. Amen. Now when we talk, let me talk about three categories of the word. Donc je vais parler de trois catégories de paroles. When we talk about the word of God, quand on parle de la parole de Dieu, what are we talking about? De quoi parle-t-on? Number one, we are talking about the Bible. Premièrement, on parle de la Bible. The Bible. De la Bible. This book of the law. Donc ce livre de la loi. This book of the law. Ce livre de la loi. A lot of us, when we talk about the word of God, this is what we understand. Donc, en d'autres termes, quand on parle de livre de la loi, c'est comme ça qu'on comprend la chose. Yeah, when you see the word of God, the word of God, most of us, this is what we understand. Quand on dit la parole de Dieu, la plupart d'entre nous, on comprend que c'est ça. Second category. Deuxième catégorie. Are books. Un livre. Amen. Amen. Are you okay over there? Books. Les livres. Books. Les livres. Books. Les livres. Every serious Christian. Chaque chrétien sérieux. Does not read only his or her Bible. Ne lit pas seulement sa Bible. But also reads Christian books. Mais lit aussi des livres chrétiens. I am always reading. J'ai toujours lu.
I am always reading books. Je suis toujours en train de lire des livres. I always have books on me. J'ai toujours des livres avec moi. Always have books. Toujours des livres avec moi. Always have books. Toujours des livres avec moi. Always have books. J'ai toujours des bouquins avec moi. This is two books in one. Ça c'est deux livres en un. Where's the other? I have books on me all the time. J'ai toujours des livres avec moi. Reading. Je les lis. Young people. Jeune personne. You like to read. Vous aimez lire. The other day I saw a young boy. Un jour je regardais un garçon qui lisait un livre. Goosebumps. Goosebumps. Yeah, it's about witchcraft. C'est à propos de la sorcellerie. It's witchcraft. C'est la sorcellerie. Dwarfs. C'est des lutins. Spells. Les sorts. Yeah. Mm-hmm. Christian boy. Un garçon chrétien. I said, why are you reading this book? Je demandais, mais pourquoi tu lis ce livre? He said, to improve my vocabulary. C'est pour améliorer mon vocabulaire. I said, I don't know what you are going to use witchcraft vocabulary for. Je ne sais pas quel genre de vocabulaire tu vas utiliser dans le livre de sorcellerie. What are you going to use witchcraft vocabulary for in your life? Qu'est-ce que tu vas utiliser dans? Are you a wizard? Est-ce que tu es un sorcier? I said, stop reading these. Je dis arrête de lire ce genre de livre. It's not good for you. Ce n'est pas bon pour toi. It will contaminate your spirit. Ça va contaminer ton esprit. Rather, mais plutôt, take me. I used to read a lot of fiction when I was a child. Moi, à l'époque, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de livres de fiction. But as I've grown older, mais maintenant que j'ai beaucoup plus grandi, because I know that what I'm reading is not true. Parce que je sais que ce que je lis n'est pas vrai. When I read it, quand je le lis, I don't get anything from it. Je ne gagne rien de cela. And another thing is that I am also not a natural reader. Une autre chose, c'est que je ne suis pas natural. Je ne suis pas un lecteur naturel. Yeah, some people like to read. Il y a des gens qui aiment every lire naturellement. Every time you see them reading fat books. À chaque fois que vous les voyez, not me said the gros cow. Livres. Not me said the chicken. Not me said the moose. Pas moi. So when I read, it's because I have to read. Donc quand je lis, c'est parce que je dois. Or I realize that I haven't read for a long time. Ou c'est parce que je réalise que ça fait so longtemps que je n'ai pas lu. Reading, donc quand je lis quelque I chose, must read something that will help me. Je lis quelque chose qui doit m'aider. That is why I read only Christian books. C'est pour cela que je lis uniquement des livres chrétiens. Yeah. We are blessed. Nous sommes bénis. In this church. Dans cette église. To have a bishop. D'avoir un évêque. And a founder. Et un fondateur. And a father. Et un père. Who is also a writer. Qui est aussi un écrivain. Awesome. Amen. Amen. As at last week. Donc la semaine passée. We counted how many titles Bishop has authored. On a compté combien de titres notre évêque a écrit. He started, I remember when Bishop started writing books in 1998. Donc je me rappelle quand il a commencé à écrire des livres en 98. This year is 10 years since he started writing books. Cette année, c'est la 10e année qu'il écrit des livres. He has written 116 books. Il a écrit 116 livres. You won't clap, eh? You won't clap. Some of you, even when you are writing a letter, dear mommy and daddy, you can't finish. Certains d'entre vous même écrit seulement cher maman, cher papa. Vous n'arrivez même pas à finir la lettre. Yeah. After that, finished. Après cette phrase-là, vous n'arrivez plus à dire. The brightness of the summer sun has put into me impetus to write a few letters to them. Write again. Our bishop has written 100, he's authored 116 titles. Notre évêque a écrit 116 livres. Therefore, in our church, donc dans notre église, we have no excuse. On a aucune excuse, not to read, de ne pas lire, because there is more than enough to read. Parce qu'il y a plus que assez de documents à lire. And in this country, et dans ce pays, we are also blessed that Bishop has translated some of his books to French. On est aussi béni que l'évêque ait traduit certains livres en français. So we can't say there's nothing to read. Donc on peut pas dire qu'il n'y a rien à lire. We must be faithful with the books. On doit être fidèle avec les livres. We need to be faithful with the bishop's books. On doit être fidèle avec les livres de l'évêque. Paul said the thing that thou hast heard of me amongst many witnesses. Paul a dit ce que tu as entendu de moi parmi de nombreux témoins. He said the same. Les mêmes choses. The same. Les mêmes choses. The same. Les mêmes.
The same, same, same. Même chose. All about fornication. Tout sur la fornication. Forgiveness made easy. Pardon rendu facile. Loyalty and disloyalty. Loyauté et déloyauté. How to overcome demons. Comment vaincre les démons. Obedience versus sacrifice. Obéissance et sacrifice. Church planting. Planter des églises. Transform your pastoral ministry. Transformer votre ministère mega pastoral. Church. Lay people in the ministry. Leaders and loyalty. My father, my father. Alos. Proton. Take up your cross. Thousands of them. They are just there. And the thing about another thing about Bishop's writing is that anybody, you know, there are some books when you pick them up. You start. Vous savez, quand vous les prenez, vous ouvrez, vous commencez. Even the size of the letters. Même la taille de l'écriture. Before you finish one page, you sleep. Avant que tu finisses une page, tu es déjà endormi. But Bishop's books, I don't know how he does it. Mais le livre de l'évêque, je sais pas comment il le fait. As an individual, he's a simple person anyway. En tant qu'individu, il est déjà simple. So when he's writing, donc quand il écrit, he writes simple. Il écrit simplement. Yeah, he says Jesus Christ. These are one of the things I've heard him say before. He said Jesus said, "Feed my lambs." Il a dit un jour, c'est ce que j'aime bien souvent me rappeler, il a dit, Jésus a dit, nourris mes brebis. Not feed my giraffes. Ne nourris pas mes girafes. Giraffes, their head is in the sky. Les girafes, leur tête, c'est dans le ciel. So you have to give them big, 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 big trees. Donc il faut leur donner des grands arbres. But as for the lambs and the sheep, mais pour les brebis, you les have agneaux, to, you have to calm down. Vous devez descendre plus bas. You have to come down to feed them. Descendre plus bas pour leur nourrir. So when Bishop is feeding through his books, donc quand le bishop l'évêque nourrit à travers ses livres, he comes down. Il descend vraiment plus bas. That is why everybody here, c'est pour cela que toutes les personnes ici, everybody here can read his book. Toutes les personnes ici peuvent lire son livre. Do you remember what we read about the Israelites? Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur les Israélites? Oh, this is just introduction. Tout cela c'est seulement l'introduction. Before we go into the real preaching for today. Avant on commence vraiment la prédication d'aujourd'hui. What was I saying? The Israelites, yeah, thank you very much. Joshua said we will serve the Lord. Josué a dit on va servir le Seigneur. Just like in your house, your mother and father say, "Hey, come on, we're going to church." Comme dans votre maison, vos parents vous disent, "Oh, allons à l'église." Vous n'avez pas de choix. You follow. Vous suivez. I used to be there. J'étais dans une maison aussi. When I was a child. Quand j'étais un enfant. My father used to go to church every Sunday. Mon père allait à l'église tous les dimanches. Never a Sunday that he would not go to church. Il n'y avait aucun dimanche où il n'allait pas à l'église. My father gave his life to Christ in 1952. Mon père a donné sa vie à Christ en 52. 52. Yeah, so he's been born again since 1952. Donc il était né de nouveau depuis 52. He loves the Lord. Il aimait le Seigneur. He taught me the Bible. Lui m'a enseigné la Bible. He taught me how to study the Bible. Il m'a enseigné comment étudier la Bible. He taught me what a concordance is. Il m'a enseigné ce que c'est une concordance. The Strong's concordance in my house right now, it's actually his, I've stolen it. La Bible concordante est chez moi. En fait, c'est moi qui ai volé dans la maison où il était. I told him I'm borrowing it. Je lui ai d'abord dit, je vais t'emprunter ce livre, cette Bible. Shh, please don't tell him, eh. It may not go back. S'il vous plaît, ne dites à personne. Hein, my father showed me the different versions of the Bible. Mon père m'a montré différentes versions NIV, de la Bible. TEB, NASB. He has John Knox Bible, Thomas Aquinas. He has donc books plusieurs from the versions de la Bible. How many of you know the books of the New Testament? Comment vous connaissez le livre du Nouveau Testament? Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Matthieu, Marc, Luc, Jean. It's the same in you people. It's a bit different. In English, the letters of Paul, we have Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians. Then we have Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. These four. Then 1st and 2nd Thessalonians and on. I don't know. One of the things that used to confuse me a lot was the Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Une chose que j'avais de la peine à retenir, c'était Galates, Ephésiens, Philippiens, Colossiens. Cette suite-là, j'avais du pain de la Is peine. Is it the same in français? Galates, Ephésiens. Then one day my father said, "Don't let it confuse you again." C'est que mon père a dit, il faut pas que ça soit confus dans ta tête. Enfant. I'll give you a key. Je donnerai une clé. Hey, people can sleep here. Il y a des gens qui peuvent vraiment dormir ici. C'est pas possible, hein? Madame. It's not easy for me. He said, "Do you know the vowels?"
Est-ce que tu connais les voyelles? What are the vowels? Quelles sont les voyelles? I said A. Je dis A. E. I. I. Donc A, E. O. I. O. And U. Et U. Est-ce que c'est la même? A. A. I. A. I. E. A. E. O. A. E. I. U. O. U. E. I. O. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. Hey, c'est pas facile. Hein? So my father said, can I preach? Can est-ce I peux, preach? Est-ce please? Que je peux prêcher? The first one is A. Le premier c'est A. That's Galat. Ça c'est Galat. You see a lot of A in vous the Galat. Plein de A dans Galat. The second vowel is what? A. Deuxième c'est quoi? E. E. That's Ephesians. Ephésiens. You see a lot of E's in it. Il y a plein de E là-dedans. A, E, I. Après I. What's the third one? Après le troisième, Philippians. C'est quoi? Philippiens. Then he said, A, E, I, O. Après what O. Is O? Après O, c'est Colossians. Quoi? C'est Colossiens. Then what's the last one? U. U. That's Bouloubouloucians. No, there's no Bouloubouloucians. Il n'y a pas de Bouloubouloucians. So my father said, from today, don't let them confuse you again. Non, mon père a dit, à partir d'aujourd'hui, que ce soit ça plus confus pour toi. E, E, and O. Clap for my father. Applaudissez pour mon père. Clap for my father. If I had decided and said, I don't want my, what my father has, si j'avais décidé que je ne veux pas ce que mon père a, I wouldn't be here today. Je ne serais pas ici aujourd'hui. And so the young people in Lighthouse Chapel International, donc pour les jeunes personnes à Lighthouse Chapel International, we should open up our hearts. On doit ouvrir nos cœurs and receive the words et recevoir les paroles that have been spoken, qui ont été parlées. And we should convert ourselves to faithful men et donc se convertir en des personnes fidèles, so that God can pour His word into our hearts. Pour que Dieu puisse verser sa parole dans nos cœurs. The third form in which the word of God comes to us, la troisième façon par laquelle la parole de Dieu vient vers nous, is preaching. C'est la prédication. Preaching. La prédication. Paul said, Paul a dit, the words that thou hast heard of me. Les paroles que tu as entendues de moi. In other words, en d'autres mots, Timothy. Timothée, you have heard me preach. Tu m'as entendu prêcher. He said, the preaching that you have heard. Les prédications donc que tu as entendues. Commit the same. Transmet les mêmes choses. I don't know where everybody is going. Je sais pas pourquoi tout le monde sort. In Lighthouse, à Lighthouse, we believe in listening to preaching. On croit au fait de entendre des prédications. Because parce que the Bible says we should. La parole dit, la the Bible says devons. The things that we have heard. La Bible déclare que les choses que nous avons entendues. Where did we hear it? Où est-ce que nous les entendons? The same. Les mêmes choses. The same. Les mêmes choses. We are even in a better situation today than we were in those days. Nous sommes même dans une meilleure situation maintenant qu'à l'époque. Because in those days, they had to try and remember. Parce que cette époque-là, il fallait qu'ils se rappellent. But now we have iPod. Mais aujourd'hui, on a un iPod. We have your phones. On a des téléphones avec des mémoires. All kinds of things that we can put preaching on. Toutes sortes d'appareils dans lesquels on peut mettre la prédication. And listening. Et écouter. From now on. Dès maintenant. Lady Pastor Mary. Lady Pastor Mary. Our children will be listening to messages. Nos enfants écouteront des messages. It is not for only daddy. Ce n'est pas uniquement pour le papa. I came here to tell you it's for you. Je veux dire aussi que c'est pour vous. Esther, do you have one? No. No, I know it's not the same. You can't have the pas, same. Tu n'as pas la même chose. Hein? It's not easy to have this c'est one. C'est pas facile d'avoir la même chose, la même qualité. Je sais. Yeah. It will not be easy. Ce n'est pas facile yeah. pour toi. This one is. Celui-là, c'est vraiment ça de la qualité. Yeah, it's one. This is 160 gig. 160 gig. Ça c'est 60 gigas. Yeah. 160. 160 gigas. Mm, giga. That's just giga. It's not easy for you to have 160 gigas. Pour toi d'avoir 160 gigas. Let me put it in before somebody. Je le mets à l'intérieur avant que quelqu'un me le pique déjà.
all you have is oh baby baby. Tout ce que vous aimez, c'est ce genre de chanson. Baby baby. Baby who? Are you a baby? Baby 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 baby. Quoi? Toi tu es un bébé? Est-ce que toi tu es un bébé? Instead of filling yourself with the word of God. Au lieu de remplir de la parole de Dieu. Filling yourself with baby baby. Tu te remplis avec bébé bébé. And I want to hold you, baby. I want to kiss you, sweet you, baby. I want to hold you through the night. Who really? Hold who? Qui appartient à qui là? Hold who? C'est pour qui là? He's in Hollywood. Il est à Hollywood, c'est lui qui California. Chante. En Californie. You are in Geneva. Toi, tu es à Genève. How can he hold you? Comment il peut te tenir, te serrer dans ses bras, dans ses chansons? That's what you have on your iPod. Mais c'est ce que tu as dans ton iPod. When you can now fill yourself with the word of God. Là où tu devais te remplir de la parole de Dieu. Only preaching. Tu as des prédications dans la prédication. And what else? Tu as quoi d'autre? And who? J'ai de la bonne musique aussi. Et quoi d'autre? Where's your iPod? Où est ton iPod? Où est ton iPod? Let me inspect. Je vais inspecter. Let me inspect your... Je vais inspecter. On your phone. J'ai l'aussi sur mon téléphone. What's track 12? C'est quoi la piste 12? C'est quoi? Piste 12, c'est quoi? I have written all of them, they have named them. This toutes one, this, les pistes this, ont this, un nom. Track 12. Sauf la piste 12. Il y a quoi? C'est quoi la piste 12? Hallelujah. The word of God. La parole de Dieu. I wish I had time to talk about soaking in tips. J'aurais aimé avoir le temps vraiment d'expliquer ce que But ça veut it's dire. A bit early in the camp. Vraiment se tromper dans la parole, mais c'est un peu tôt dans le camp. So maybe as we go on. Donc peut-être quand on va continuer. I will come there. Je viendrai à ce sujet. Let's be faithful with God's word. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Reading of the Bible, young people. Dans la lecture de la parole de Dieu. Reading of Christian books. Dans la lecture des livres chrétiens. You will see how your life will change. Vous allez voir comment votre vie va changer. You will see at your little young age how your life will change. Vous allez voir comment à votre très jeune âge votre vie va changer. And how you will have so little time to do foolish things. Et comment vous aurez très peu de temps pour faire des choses stupides. Because you have all your time is taken up and all the things you are listening to are things that are edifying your spirit. Parce que votre temps sera complètement pris à écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. 4 opportunities to hear God's word. 4 opportunités pour écouter la parole de Dieu. Deuteronomy. Deutéronome. 6. Chapitre 6. I haven't even started the meet. Anyway. Faith, everybody say faithful in the word. Tout le monde dit fidèle à la parole. Oh, say it in French. J'entends rien, les francophones. Fidèle à la parole. Fidèle à la parole. Amen. Amen. Deuteronomy 6. Deutéronome 6. And verse 6. Et verset 6. So then these words which I and these words donc les commandements and these words les commandements and I have told you three things. When we see the word words or the word of God, we are talking about three things. Donc je vous ai dit quand on voit les mots par exemple commandements, we are talking about number one word. On parle de trois choses. On parle premièrement we are talking about de trois word, d'abord, the premièrement, Bible, la Bible. Beaucoup. Deuxièmement, beaucoup. Books. Les livres. And number three, what are we talking about? Troisième point, preaching. Les prédications. About preaching, what are we talking about? Et quand on parle de prédication, soaking in messages. On parle de se tromper dans la parole, dans les soaking messages. In messages. Se tromper dans les do messages. Do you have an iPod? Est-ce que tu as un iPod? What is it? MP3 player, MP4, MP4 player. How big is it? No. The memory space. Quelle est la taille de la mémoire? Yeah, it's big.
It's been, so how many songs do you have on it? Combien de chansons tu as là-dedans? You don't have. Je n'ai pas d'idée. C'est vide. Do you have preaching on it? Tu as des prédications? Ish. Amen. Amen. I wish I heard the things that you are hearing when I was your age. J'aurais aimé avoir les choses que vous avez aujourd'hui quand j'avais votre âge. In Accra, I have people who sleep with preaching on. J'ai des gens à Accra qui écoutent les prédications pendant qu'ils dorment. They turn the preaching on their laptop and they fall asleep. Ouais, ce jeune garçon là pendant qu'il dort. Do you know that your spirit doesn't sleep? On lui met un truc à l'oreille pour écouter les prédications. And you know that the words that I speak, that's what Jesus said in John 6:63. He said the words that I speak, they are spirit. Vous savez que l'esprit ne dort pas. Et la Bible déclare que Jésus dit que les paroles que je dis sont esprit et vie. Yeah. So when you are asleep and your spirit is still awake. Donc quand vous dormez et votre esprit est toujours éveillé, it can be eating the preaching. Cet esprit peut toujours manger la parole. Hallelujah. Amen. Oh, you guys don't like what I'm preaching, huh? Ou bien vous aimez pas ce que je raconte. Verset 6. And these words, et les commandements, which I command thee this day, que je te donne aujourd'hui, shall be in thine heart, seront dans ton cœur. Verset 7. And thou shalt teach them diligently, et tu les répéteras à tes enfants, to your cousins, à tes cousins, to your friends, ou à tes amis. To those above 18 years. Ou uniquement à ceux qui ont plus de 18 ans. A lot of you feel that Christianity is for 18 and above. Parce qu'il y a des gens qui croient que être chrétien c'est seulement quand on a plus de 18 ans. Because in the world everything is 18 and above. Parce que dans le monde tout est au-dessus de 18 ans. If you want to vote 18 and above. Si vous voulez voter c'est plus de 18 ans. You want to marry 18 and above. Vous voulez vous marier plus de 18 ans. You want to drive 18 and above. Vous voulez conduire plus de 18 ans. So we bring it into the church. Donc on l'amène aussi à l'église. And we feel that church is also for 18 and above. Et on croit que dans l'église aussi il faut être. So you tell yourself I'm waiting till I become 18. Donc il faut vous I can't wait till I become 18. Je ne peux pas attendre jusqu'à 18 ans. It will be too late. Ça sera trop tard. Because Satan is not waiting. Parce que Satan lui n'attend pas. He's not waiting. Il n'attend pas. He's not waiting. Il n'attend pas. He's bringing the temptations when you are 12. Il apporte la tentation quand tu as 12 ans. 12. 12 ans. You have already started falling in love. Il y a des gens qui déjà 12 ans qui deviennent amoureux. Hein? He said, kiss me. Et puis il demande embrasse-moi, embrasse-moi. Viens embrasse, bisous, bisous. Fais-moi un bisou. Satan is not waiting. Satan n'attend pas. So why are you waiting? Donc pourquoi vous vous attendez? That is why Jesus. C'est pour cela que Jésus. When he was 12 years old. Quand il avait 12 ans. And he ran away from home. Il a quitté la maison. He was not to go and play PlayStation. Il n'était pas allé jouer à la PlayStation. He was not to go and this thing. Here we don't pluck mangoes. Ici, ici, il y a pas des gens qui montent dans les arbres, dans les manguiers. Gar and Bahnhof Saturday night. Oh no, oh no. 12 years. À 12 ans. He knew the devil was waiting for him. Il savait que le diable l'attendait. So when he runs away from home, donc quand il a quitté la maison, he goes to church. Il est allé à l'église. Why do? That is why some of us, when we hear that Jesus was without sin, we say, because we cannot see. But can you not see that Jesus lived his life differently from the way we are living our lives now? Mais est-ce que vous pouvez pas voir que Jésus, à cause de tout cela, il a vécu une vie différente de nos vies? Yeah. 12 years he was. The Bible says that he was in the temple, both hearing them. La Bible déclare qu'à 12 ans, il était dans le temple en train d'écouter and les gens them questions. Et en même temps, en train de poser des questions yeah. aux gens. His friends were the Pharisees and the doctors. Ses amis étaient des docteurs those et the pharisiens. People, those were the people Jesus used to hang out with. Ça, c'est des gens que Jésus yeah. traînait avec.
Yeah, the lawyers and the doctors. Il traînait avec des they say, docteurs. Hey Jesus, what going, man? A dit Jésus, hey Jésus, yes. Comment tu vas? Are you coming? Est-ce que tu viens là? You say, chill, bro, I'm on my way. Jesus says, it's going down tonight. Yeah, man. It's going down tonight. Ça va descendre aujourd'hui. Yo, Jesus. Toi, Jésus. Are you coming around today? Je vais vers toi aujourd'hui. It's going down tonight. Ça va descendre aujourd'hui. Today we're reading Deuteronomy. So, whoa! Je vais venir aujourd'hui. That was Jesus's crowd. Ça, c'était le club de Jésus. The word. La parole. Thou shalt teach them diligently unto thy children. Tu les répéteras à tes enfants. When thou sittest in thine house. Quand ils seront chez toi. When thou walkest on the way. Quand tu seras en voyage. When thou liest down. Quand tu te coucheras. And when thou risest up. Et quand tu te lèveras. Four opportunities to read the word. Quatre opportunités de lire la parole. The first one is when thou sittest in thine house. La première opportunité, c'est quand tu es assis chez toi. Yeah. Young people, jeunes gens, when you are at home, quand vous êtes à la maison, doing nothing, en train de rien faire, and you seem bored, et que vous êtes assez courageux, fort. Yeah. Bored. Quand vous êtes ennuyé, oui. Quand vous êtes dans l'ennui, yeah. Quand vous ennuyez. It should occur to you ça doit venir dans votre tête that this is a good opportunity que c'est une bonne opportunité to hear the word. D'écouter la parole. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. And you shall teach them diligently to your children. Donc tu les répéteras à when tes thou enfants sittest in thine house. Quand tu seras dans ta maison. A lot of young people, beaucoup de jeunes personnes as they are driving from school, pendant qu'ils conduisent, on les conduit pour aller à l'école and they get out of the et, car, et qu'ils sortent de la voiture and they run to their rooms, et qu'ils courent vers leur chambre. The only thing on their mind, la première chose dans leur are tête video games. C'est leur jeu vidéo. They associate home. Ils associent la maison with video games. Avec les jeux vidéo. From today, dès aujourd'hui, you will associate home. Vous associerez la maison with the reading of the word. Avec la lecture de la parole. You didn't clap. Vous n'avez pas applaudi. If you don't clap next year, I won't come. Si vous n'applaudissez pas l'année prochaine, je ne viendrai pas. Because you don't like what I'm saying. Parce que vous n'aimez pas ce que je dis. And why should I come to a people who don't like what I'm saying? Et pourquoi je viendrai vers des personnes qui n'aiment pas ce que je dis? Sitting at home is a most of the Bible I know it was when I was at home as a young person. La plupart des passages dans la Bible que je connais, c'est quand j'étais person, à la maison. J'étais jeune. I remember I told myself that there are certain books in the Bible I've never read. It was when I was around 11, 12. That's when I read 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Je me rappelle quand j'étais encore enfant, j'avais 11 ans, j'aimais assez. Il y a beaucoup de livres dans la Bible que je ne connais pas. Yeah. Puis je me suis dit, je vais commencer à lire 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. C'est comme ça que j'ai commencé à lire le livre de la Bible. Very good. I just used to read. J'ai commencé vraiment à lire. The Old Testament. Le nouveau, tout l'Ancien Testament. Don't know the Old Testament. Je ne sais pas comment vous connaissez l'Ancien Testament. We don't know what is there. On ne sait même pas ce qui se trouve là. It's almost as if we don't care. C'est que, et d'ailleurs, pour la plupart, on s'en fout. No, but when you go home, mais quand vous rentrez à la maison, hey Yolanda, you tell yourself that. Yolanda, tu te dis, I don't know the story of Esther. Je ne connais pas l'histoire d'Esther. Yeah, let me read it for myself. Est-ce que je peux le lire pour moi? And I take Esther chapter 1 verse 1. Et je prends Esther chapitre 1 verset 1. And I read through et the je whole lis thing. Toute la chose. At home. À la maison. At home. À la maison. At home. À la maison. Not TV. Pas à la télé. Not television. Pas la télé. Bible. Mais la Bible. So, and you shall teach them diligently when you sit in your house. Donc tu répéteras quand tu seras oh, à Father, la maison. If there was an injection. S'il y avait une injection. If I could just inject in somebody. Si je pouvais l'injecter dans une that personne. That would make the person remember. Pour faire la personne. I would have injected rappelle, it. Je l'aurais injecté. Just by the. I hear you, my dear. God bless you. God bless, associate home. Associer la maison with the reading of the word. Avec la lecture de la parole. Associate home associer la maison with the reading of Christian books. Avec la lecture des livres chrétiens. I can't wait to get home. Je ne peux pas attendre d'être à la maison. To read, to finish.
You can ask. Sometimes I don't even know which one to read. Je ne sais même pas quel livre lire. It's true. C'est vrai. Sometimes I even have to ask God, God, today which book should I read? Et je dois même demander, Seigneur, quel livre je dois lire aujourd'hui? This book is a book that I recommend for every young person. Ce livre, c'est un livre que je recommande à tous les jeunes. It was not written by a bishop, though. Ce n'est pas écrit par le bishop. But it was written by a very powerful youth preacher. Mais c'est écrit par un pasteur, un pasteur de jeunes. He's called Josh McDowell. Il s'appelle Josh McDowell. And this book is called More Than a Carpenter. Et ce livre s'intitule Plus qu'un charpentier. And this book explains. Et ce livre explique why Jesus Christ. Pourquoi Jésus Christ is really who he said he was. Il est réellement ce qu'il a dit qu'il était. A lot of us. Beaucoup d'entre nous. When they ask you why do you believe. Quand on vous demande en quoi vous croyez, you say, ah, I believe. Oh, moi je crois. But you see, there is actually proof. Mais actuellement, il y a des preuves. To everything that Jesus claimed. À toutes les choses que Jésus a dit. Our faith in Christ is not blind. Notre foi en Christ n'est pas aveugle. Our faith in Christ is not just who like a cloud. Notre foi en Christ n'est pas juste comme un nuage. There it is. Based on empirical facts and evidence. C'est basé dans des vérités empiriques. Yeah, yeah. And this book will just blow you. Et ce livre là va juste blow you, blow your mind. Wonderful book. Travaille dans votre mémoire. It's called More Than a Carpenter. Ça s'intitule Plus qu'un charpentier. Read. Lisez. Young ladies, jeune paint femme. Your nails. As you are painting, you are soaking in messages. Pendant que vous êtes en train know, de pouvoir mettre time. Vos vernis, il faut écouter la parole. Yeah. Headphones, you know headphones. Vous connaissez ce que c'est des oreillettes, des écouteurs? You see? What do you call this one? Des écouteurs. Écouteurs. Mm-hmm. At home. À la maison. iPod. Et vous connectez à l'iPod. Esther. So that's the first opportunity. Ça, c'est la première opportunité. How many of you are going to read your word at home? Combien d'entre vous vont lire la parole Abraham. Chez vous? Bible at home. La Bible à la maison. Second one. Deuxième. And when thou walkest. By the way, et quand tu seras en voyage, the second opportunity we have to read God's word or hear God's word, la seule opportunité qu'on a à écouter la parole, is when we are on the way. C'est quand on est en déplacement. I remember last year I was going to do a youth convention in Nigeria. Je me rappelle l'année passée je devais faire un camp des jeunes au Nigeria. I was going to be on the bus for 14 hours. Je devais être dans le bus pendant 14 heures. What do you do on a bus for 14 hours? Qu'est-ce que vous faites dans un bus pendant 14 heures? What do you do on a bus for 14 hours? Qu'est-ce que vous faites dans un bus pendant 14 heures? So I say sleep. Il y a des gens qui disent dormir. It is dead people who sleep for more than 14 hours. C'est des gens qui sont morts qui dorment pendant plus de 14 heures. I took plus que 14 heures. Non, plus que 10 heures. Plus que 10 heures. Non, 12 heures. Because there are some people who can sleep for 10 hours. You can't. Vous ne pouvez pas. In a bus, dans like this. If you want to sleep for 10 hours, lie down. So I took my MP3 player. Donc j'ai pris mon MP3. I put my headphones on. J'ai mis mes écouteurs. And I remember that was when I listened to this camp by Bishop, preparation of the gospel. C'est ce jour-là, je me rappelle, j'écoutais un thème du camp que l'évêque avait preparation fait. Of the gospel. C'est la préparation de l'évangile. It was floating in my head like that. Ça flottait dans ma tête. Floating in my head. Even when I fall asleep, I still the thing was to be on. Même pendant que je dormais, la parole continuait à tourner. And I wake up. Et je me suis réveillé. On the way. Toujours sur le déplacement. When thou walkest on the way. Le déclare pendant que tu es en when déplacement. When thou walkest on the way. Pendant que tu es en déplacement. On your way to school. Dans votre déplacement vers l'école. I was teaching the same thing in America. J'enseignais la même chose en États-Unis. And I was asking, how long does it take for you to get to school? Je demandais combien de temps ça vous prend. Somebody pour aller said l'école. 1 hour. Une personne m'a dit 1 heure. Somebody said 1.5. Une autre personne m'a dit. Somebody said 15 minutes. Demi-heure. D'autres a dit 15 said, minutes. Can you imagine? Et je lui dis, est-ce que tu peux imaginer? Listening. 1 hour every day for 5 days in a week. Without 5 hours of preaching. Je dis, est-ce que tu peux t'imaginer écouter? You'll be more than TD Jakes. Une heure par jour de prédication. Oh yeah.
5 heures par semaine, tu seras oh, plus yeah. que TD Jakes. Listen, how many of you think that I'm a nice preacher? Combien d'entre vous pensent que je suis un bon prédicateur? You lifted up your hand, you put your hand down, you change your mind. Toi, tu as levé ta main, ton corps baissé. Tu penses put quoi? Put your hand down. I haven't been to Bible school for 2 minutes. Je n'ai jamais été dans une école biblique pendant 2 minutes. Nobody has ever sat me down, asked me, personne or taught me how to preach. Ne m'a fait asseoir pour m'enseigner. Écoute, maintenant tu vas enseigner comment prêcher comme ça. I learned how to preach. J'ai appris comment prêcher. The same way my daddy learned how to preach. De la même façon que mon père a appris à prêcher. My daddy, Bishop Dagiwal Mills. Mon père, l'évêque Dagiwal Mills. He learned how to preach through listening to tapes. Il a appris comment prêcher en écoutant des messages. He never went to Bible school. No Bible school in the world can say that we trained Bishop Dagiwal Mills. Aucune école dans le monde peut dire qu'il a enseigné l'évêque Dagiwal Mills. It was tapes who trained him. C'était des messages qu'il a enseigné. In the same way, tapes can train you. De la même sorte, les messages peuvent vous entraîner. Tapes will train you. Les messages peuvent vous entraîner. To become something that people have to go to school for years to do. Pour devenir une personne que d'autres doivent aller d'abord dans les écoles pour suivre des cours pendant plusieurs années. Second opportunity is when that worker is on the way. Deuxième opportunité donc, c'est pendant que vous êtes en déplacement. In the train. Dans les trains. On the bus. Dans le bus. On your way to the Migros. Quand vous allez à la Migros. Mommy says go and buy du pain. Maman dit va acheter du pain. You put this one on. Tu mets tes écouteurs. On your bicycle. Et sur ta bicyclette. And be listening. Tu écoutes. So that you become a faithful person. Pour que tu deviennes une personne fidèle. Third opportunity. Troisième opportunité. It says, and when thou liest down. Donc quand tu te coucheras. In other words, when you are relaxing. Quand vous vous relaxez. How do you relax? Comment vous relaxez? Somebody said, when I relax, il y a des gens qui disent, oh, quand je me relaxe, I listen to jazz. J'écoute du jazz. I listen to R&B. J'écoute du R&B. I listen to reggae music. J'écoute de la musique reggae. So if I want to relax, mais d'autres personnes, quand tu te relaxes, I get a bottle of vodka. J'ai une bouteille de vodka. Come. Viens. Come. Please come. Did you say water? I said vodka. Come. Father, I pray. Lift up your hands. Forgive. Lève tes mains. Every vodka spirit and temptation. Tout esprit de vodka en toi. No. She was helping me to preach. I'm just joking. Elle m'aidait juste à prêcher, en fait. No, but I won't be surprised. If, yeah, just last week, I found out about a Christian brother. J'ai trouvé un frère chrétien. Who had started drinking vodka. Qui avait commencé à boire de la vodka. So maybe she's in tea. Donc peut-être elle aussi elle est sur le chemin. Maybe. Peut-être. Oh, when I relax, I want to watch a movie. Oh, quand je me relaxe, j'aime regarder when les I lie films. Down, I want to watch a movie. Je me couche, je regarde les films. Now, when I want to relax, maintenant quand je veux me relaxer, I listen to preaching. Je vais écouter les prédications. I'm not talking about me. I'm talking about you. Je ne parle pas de moi, je parle de vous maintenant. I'm talking about you. Je parle de vous. I already do it. Parce que moi, je le fais déjà. In your relaxation, what do you do? Pendant votre moment so de when relaxation, I want to relax, I take a book. Quand moi, je me relaxe, je prends un livre. Very good. C'est très bon. Pick one of Bishop's books. Prenez un des livres de l'évêque. Take up your cross. Par exemple, le titre Alos. Prends ta croix ou Proton. Alos ou Proton. Some of them are small. You can read them quickly. Il y a des livres qui sont vraiment très minces. Vous pouvez les lire rapidement. Your lives will change. Votre vie va changer. When thou liest down also symbolizes when you are about to sleep. Donc aussi quand la Bible dit quand tu te coucheras, ça veut dire aussi when quand tu es prêt à dormir. Some of you say, Pastor, I can't sleep. Les gens qui disent, oh, Pastor, je n'arrive pas à dormir. It's because you have not read Leviticus. Parce que tu n'as pas encore lu Lévitique. That's why. C'est pour cela. You haven't read Leviticus. Tu n'as pas encore lu Lévitique. Yes. That's why you can't sleep. C'est pour cela que tu ne peux pas dormir. You haven't read Numbers. Tu n'as pas encore lu ce livre de la Bible. C'est pour cela. The day you are sleepy. Le jour où tu as sommeil. And you take Leviticus. Et tu prends Lévitique. And you don't fall asleep. Et tu ne t'endors pas. Please call me in Accra. I'll give you 100 francs. Appelez-moi depuis Accra. Je vous donnerai 100 francs. What? One of the best ways to fall asleep.
Un des meilleurs moyens pour rapidement avoir sommeil, is to read your Bible. C'est de lire votre Bible. No medicine. Pas besoin de prendre un médicament. No prescription. Pas de prescription. Just read Hosea. Ou lisez par exemple Osée. Or Zephaniah. Ou Sophonie. Or Habakkuk. Ou Habakkuk. You sleep right now. Vous allez vraiment bien dormir. The young people. What's the first opportunity donc, we have la première opportunité qu'on a? What's the first opportunity that we have to read the Bible? Première opportunité pour lire la parole, tout le monde. When you sit in the house, quand how many people are going to maison? Read the word at home? Combien d'entre vous vont lire la parole à la maison? How many people are going to read the word at home? Vous allez lire la parole so à la maison. With your hands down, that means you not read. Si vous baissez la main, ça dit que vous n'avez pas lu. How many people are going to listen to messages? Combien d'entre vous vont écouter les prédications, les messages? On your laptop. Sur votre laptop. On your iPod. Sur votre iPod. On your phone. Sur votre téléphone. TV. Sky TV. The Gospel Channel. Okay. But I'll tell you something about the word maybe. That is why I was not happy when you left out the same. Because it's important. Not every food was created for everybody. C'est pas n'importe quelle nourriture qui a été créée pour tout le monde. It's not every food that was created for everybody. Ce n'est pas toute n'importe quelle nourriture qui a été créée pour n'importe qui. One of the sacrifices I make when I travel. Un des sacrifices que je fais quand je voyage. Is the food I eat. C'est la nourriture que je mange. I remember last year we were in South Korea. Je me rappelle l'année passée on a été en Corée du Sud. For 1.5 weeks. On a plus d'une semaine. In South Korea. On est en Corée du Sud. And one of the things God should forgive me. Et vraiment Dieu me doit me pardonner. Their food smells. Leur nourriture sent vraiment. It smells. Ça sent. Terrible. Terriblement. It smells. Ça sent. No, it's not. I own this perfume. Maman. Oh, maman, it's like. Pas le. It's like Coco Chanel. Le poisson, on a l'habitude de manger là qui sent bon. Hey! And then you have to. And so, not every food was created for everybody. Donc, ce n'est pas n'importe quelle nourriture qui a été créée pour n'importe qui. When you are in Lighthouse Chapel International. Quand vous êtes à Lighthouse Chapel International. I mean, with that, and it doesn't mean that the person's food is not good food. Cela ne veut pas dire que la nourriture d'une personne est une mauvaise nourriture. But the food that we are used to. Mais la nourriture avec laquelle on est habitué. Is the food that is preached in our house. C'est la nourriture qui est prêchée dans notre maison. It is true. C'est la vérité. It is true. C'est la vérité. And anybody, and that is even one of the signs that will show that you are actually supposed to be here and you are here. Et c'est aussi un des signes qui montre que vous devez être ici et vous êtes là. It's when you enjoy the food that your mother cooks. C'est quand vous aimez la nourriture que votre mère cuisine. If you are always eating outside. Si vous mangez toujours à l'extérieur. It's not good. Ce n'est pas bon. Running stomach. Vous aurez les diarrhées. Des diarrhées quoi. Some of you have spiritual running stomach. Il y a des gens qui ont des diarrhées spirituelles. Because you eat everywhere. Parce que vous mangez partout. The food you should get used to. La nourriture à laquelle vous devez être habitué. Is the food from the house. C'est la nourriture de la maison. Amen. Amen. The last opportunity. Dans la dernière opportunité. We actually spoke about it yesterday. Dont on a mentionné cela hier. Is when thou risest up. C'est quand vous vous levez. Amen. And that is what we call quiet time. Et c'est ce qu'on a dit aussi que c'était le moment de dévotion. When you wake up in the morning, quand vous vous levez le matin,
You read your Bible. Vous lisez votre Bible. You read your Bible. Vous lisez votre Bible. The Bible is the most important source of the word. La Bible est une source importante de parole. Because it's pure. Parce qu'elle est pure. It is from God. C'est de Dieu. A book, un livre, is a preacher's attempt to explain what is in the word. C'est la tentative d'un prédicateur pour expliquer la parole. Preaching, la prédication, breaks it down even further. Décompose encore plus la parole. It's like concentrate. C'est comme se concentrer. You know, if you have apple concentrate. Vous savez quand vous avez le jus de pomme concentré. It's not easy to drink. Ce n'est pas facile à boire. Sometimes you have to dilute it. Parce que vous devez d'abord la diluer. Most of the time you need to dilute it. La plupart du temps vous devez d'abord la diluer. Most of the time you need to dilute it. Vous devez d'abord besoin de la diluer. That is why sometimes when we read the Bible, we read three verses and we can't read anymore. C'est pour ça que quand vous lisez par exemple la Bible, trois versets uniquement, vous n'arrivez plus à lire plus loin. As your spirit grows, pendant que votre esprit grandit, you will get more used to. Vous vous habituerez beaucoup plus à cela. Eating the word direct. Manger de la parole directement. But till then. Mais avant cela, eat a little. Mangez d'abord un peu. Then you drink a bit of diluted apple juice. Alors vous buvez un peu de jus d'orange dilué. Most of the time I'm speaking in parables, so when I say diluted apple juice, not that you go for apple juice and you be drinking diluted apple juice. Je parle en parabole. Je dis pas faut lire la Bible après il faut aller boire un jus d'orange mélangé avec de l'eau. C'est une parabole. When we went to camp, they said we should drink diluted apple juice. On a dit il fallait boire de jus d'orange. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas ça. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous right, béni? Let's go on. Continuons. Four reasons why you must trust the word. Quatre raisons pour lesquelles vous devez avoir confiance en la parole. Turn your Bibles to Psalm 19. Ouvrez vos Bibles au psaume 90. After I give you 19. Yeah. After I give you the four reasons, then I'll give you four effects of the word. Donc c'est soit quatre raisons, soit quatre effets de la parole. Psaume 19. Psaume 19. Are you there? Vous y êtes? No, I mean, are you in the room? Est-ce que vous êtes dans la salle? Or you've gone back to Lausanne? Ou est-ce que vous êtes rentré à Lausanne? Oh, it's not, time hasn't gone at all. Oh, il y a vraiment le temps n'a pas avancé plenty du tout. Time. Il y a encore beaucoup de temps. Plenty time. Beaucoup de temps. What do you think? Huh? Yeah. You're afraid to even say otherwise. Tu as peur de dire autre chose? Psalm 19. How many of you are going to be faithful with the word? Faithful with the word. Faithful in the word. Hallelujah. Psalm 19, verse 7. Psalm 19, verse 7. The first reason why we must trust the word. La première raison pour laquelle on doit avoir confiance en la parole. Open your Bible. Open your Bible. Ouvre ta Bible. The Bible says that the law of the Lord is perfect. La Bible déclare que la loi de l'Éternel est parfaite. You only need to grow a little older. Donc en français c'est le verset 8, hein. To realize that what God says. Donc vous avez besoin de grandir un peu plus pour comprendre ce que Dieu dit. Is perfect. Que ce qu'il dit est parfait. Is perfect. C'est parfait. When the Bible says honor your mother and father. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, it is perfect. C'est parfait. I am now a father. J'ai honoré mon père. And je suis maintenant père. Yes. When I look at what I do for my children today. Et quand je regarde maintenant ce que je fais pour mes enfants, which is what your parents have done for you when you were younger. Donc c'est ce que vos parents ont fait pour and vous quand vous étiez plus jeune. And when they grow and they forget. Et quand ils grandissent et ils oublient, it is perfect. For God to say that you must honor your father. C'est parfait quand Dieu dit que vous devez honorer vos pères et vos mères. I tell you, when you wake up in the middle of the night, they are crying.
Quand vous levez la nuit, ils sont en train de pleurer. They have to make sure that they fall asleep. Vous devez faire en sorte qu'ils puissent se rendormir. They can't help themselves. Ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. They poo-poo on themselves. Ils font des saletés sur eux-mêmes. Ah. And then you, a big man like me, a pastor comme moi, reverend, un révérend. Then I go and take toilet and I'm wiping toilet. Et maintenant, je suis en train de leur faire la toilette. Me, why should I wipe toilet? But I have to wipe. Mais moi, je dois enlever tout cela. I have to humble myself and je wipe. Dois m'humilier à ce point-là. So later on, when they now, donc, all tard, of you, all of you, your toilet has been wiped before. Vous tous qui êtes ici, on vous a fait la toilette aussi, on était gamin. Vous all tous, of you, vous tous. Every, all these shiny girls with hair, toutes everything, ces belles all filles là, them, à Lausanne, là, vous toutes. You couldn't wipe your own toilet. Vous ne pouvez pas vous-même laver vos toilettes. All vos of toilettes. You could not wipe your own toilet. Vous-même, vous n'arrivez pas so à faire votre propre toilette. To church, get... Donc maintenant, vous venez à l'église oh, en train cute. De your de toilet filmer was un a peu. Problem. So when the Bible now says honor, donc comme la Bible dit honor, it is perfect. C'est parfait. That is why when you read the word, trust it. C'est pour cela quand vous lisez la Bible, faites the confiance. Things that you see in it, they parce are perfect. Que les choses que vous y trouvez sont parfaites. Second reason why you should trust the word of God. People are slowing down. Les gens sont en train de s'endormir là, de rapidement accélérer. Still verse 7, it says the testimony of the Lord is sure. Donc toujours le verset 8 en français, le témoignage de l'Éternel est vrai. Yours is it's vrai. But the English says it is sure. Mais en anglais, c'est sûr. Yeah. That means when God says something about when God says something, he is sure about what he said. Donc cela veut dire quand Dieu dit quelque chose, il est sûr de ce qu'il dit. When the Bible says and the virgin shall conceive and bear a son, a virgin shall conceive and bear a son. The Bible is sure about, because if you hear something like this, the question you will ask the person, are you sure? Donc are la Bible sure? dit que une vierge concevra un fils et le portera dans oh, son I'm getting sein. Charged up, I Dieu tell est you. Sûr. Donc vous posez la question, mais est-ce que cette phrase là that is the est question. A lot of times when you read the Bible, you read the things in the Bible, you ask yourself, are you sure? Les parents donnent la Bible et disent, mais Seigneur, ce qui est écrit, est-ce que c'est vraiment sûr? But the Bible says that la Bible the testimony of the Lord que le témoignage du is Seigneur sure. est sûr. It says, yet though I walk through the valley of the shadow of death, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, I will fear no evil. Je ne craignais aucun mal. For thou art with me. Parce qu'il est avec moi. In this world where people don't trust each other, dans ce monde, les gens ne font pas confiance the les uns aux autres. Ask, la question que vous posez, that, are you sure? Mais Seigneur, es-tu sûr? Jesus, will you really be there with me? Jésus, est-ce que tu seras vraiment avec moi? But the testimony mais le témoignage of the Lord, du Seigneur it is sure. est sûr. Huh. I tell you, it's sure. C'est sûr. It's sure. C'est sûr. You know, this is a testimony I love to share. C'est un témoignage que j'aime partager. I remember 2 years ago, my wife was having her last child. Je me rappelle il y a 2 ans, ma femme avait son dernier enfant. J'étais au travail. At work one day, and I was just stretching back like that. Et je me relaxais. She was about 1 week to term. Et c'était une semaine avant le terme. I closed my eyes like this. J'ai croisé mes jambes comme ceci. When I closed my eyes, et pendant quand j'ai fermé mes yeux, I saw my wife with a big stomach. J'ai vu ma femme avec un gros estomac. And she was holding cotton wool. Et elle portait du coton. With blood in it. Avec du sang. I said, ooh. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? This is not a good dream. Ce n'est pas un it bon rêve. It was not even a dream because I was not asleep. I just laid my head back like je this. Ne dormais pas en fait. Donc j'avais juste ma tête reposée comme ceci. I said, this is not a good vision. Je me suis dit, c'est pas une bonne vision. It means something. Ça veut dire quelque chose. I began to pray. J'ai commencé à prier. I said, God, dit, what Seigneur, does this mean? Qu'est-ce que ça veut dire? God said, you know what it means. Dieu m'a dit, tu sais ce que ça veut dire. I said, God, it's true. I know what it means. Je dis, Seigneur, I could tell that there was something going to happen. Et je pouvais dire so I said, God, what should I do? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? He said, how can you ask me? Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que you tu peux, know what tu to peux do? Me demander? Tu sais ce qu'il y a à faire? He said, pray. Prie. I said, ah. Je dis, oh. He said, God, if I don't pray, what will happen? He said, dit, Seigneur, si je ne prie pas, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu m'a dit, mais tu me poses ce genre de questions. Because sometimes you people think that God will solve a problem whether you pray or not.
Parce que des fois vous croyez que vous Dieu va résoudre vos problèmes que vous priez ou pas. We will. That is why Jesus kept saying, when you ask and when you ask, say, he said, pray in my name that your joy. Jesus always told us to pray about things we need. C'est pour cela que Jésus a dit quand vous voulez demander à Dieu, priez en ces mots au nom de Jésus. And once again you can ask Jesus, Jesus, are you sure? Et après vous demandez à Jésus, est-ce Jésus qui te ask, are you sure? So Jesus said, I remember clearly. He said, I have shown you a vision like this before. Donc je me rappelle clairement, Jésus m'a dit, je t'ai montré ce genre de vision avant. And the person passed away. Et je t'ai montré une personne qui mourait, la personne est morte. If you like, don't pray. Donc si tu veux, ne prie pas. He said, if your wife dies, si ta femme meurt, my daughter would have come to me. Ma fille viendra vers moi. But you, mais toi, you would have lost a wife. Tu auras perdu une femme. I said, God, don't talk again. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ne parle plus. Don't talk again. Seigneur, ne parle plus. I started praying. J'ai commencé à prier. Praying. Prier. Praying. And amazingly, I mean, this particular time. Est-ce qu'il était étonnant en ce moment-là? My wife was the last few days. She was so troubled. Pendant les derniers jours de sa grossesse, ma femme était vraiment dans les troubles. Just troubled. Elle était vraiment troublée. And I couldn't tell her my dream. Et je ne pouvais pas lui raconter mon rêve. Because it's not a good thing to go and tell that I had a dream. You are going to die. Parce que ce n'est pas une bonne chose d'aller dire à sa femme que j'ai vu, je dois dans un rêve que tu vas mourir. Et je ne racontais à personne. So it was just me. C'était juste moi. I remember the night before she delivered, I went to her hospital ward. Et je me rappelle la nuit avant qu'elle accouche, j'étais allé dans sa chambre d'hôpital. Yeah, she was in a private room. Elle était dans une chambre privée. And she was sitting on her bed crying. Elle était assise sur son lit en train de pleurer. I said, why are you crying? Je dis, pourquoi tu pleures? She said, I don't know. Elle a dit, je ne sais pas. I said, let us pray. Je dis, prions. When I said, let us pray, then Psalm 23 entered my head. Le psaume 23 est entré dans ma tête. So I started, the Lord is my shepherd. J'ai commencé à dire, le Seigneur est mon berger. I shall not want. Je ne manquerai de rien. He maketh me to lie down in green pastures. Il me fait reposer dans de verts pâturages. He leadeth me beside the still waters. Il me conduit dans les... He restores my soul. Il restaure mon âme. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Il me dirige en sortie de la justice à cause de son yea, nom. Though I walk through the valley of the shadow quand of death, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, I shall fear no evil. Je ne craindrai for aucun thou mal, art with me. Car tu seras avec moi. Thy rod and thy staff they comfort me. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Thou preparest for me a tu table devant moi une table in the presence of my enemies. En face de mes adversaires. Thou anointest my head tu with oil. Tu oindues ma tête. My cup runs et ma coupe over. Déborde. Surely. Goodness oui, and mercy le bonheur et la grâce shall follow me all the days of my life. Tous les jours de ma vie. And I shall dwell in the house et of the Lord. Dans la maison de l'Éternel forever. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. We closed the prayer for them. And I just went. The next day. Et j'ai prié ainsi le jour suivant. She was in labor. Elle était dans le labeur. I was outside. J'étais à l'extérieur. Me, I'm afraid to watch. Moi, j'ai toujours peur de regarder. So I was outside. Donc, j'étais à l'extérieur de la salle. So I was there, and the doctor called me. Et après, le docteur said, m'a appelé. Baby has come. Il a dit, le bébé est sorti. You have a daughter. Tu as une fille. I said, God, praise the Lord. J'ai dit, loué soit Dieu. So I went inside, and I went to look at my baby. Alors, je suis entré pour voir mon bébé. I took pictures. J'ai pris des photos. My wife was still inside. Mon femme était toujours... They brought the baby out so I could... À l'extérieur, I came back outside to wait for my wife. Et je suis resté à l'extérieur en attendant ma femme. 10 minutes. 10 minutes. 15 minutes. 15 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Ah, where's my wife? Où est ma femme? I was with my sister-in-law. J'étais avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur, merci. I said, Amélie. J'ai dit, Amélie. Let's pray. Prions. We need to pray. On a besoin de prier. So we started praying in tongues. Donc elle a commencé à prier en langue. I pity Christians who can't pray in tongues. J'ai pitié des chrétiens qui n'arrivent pas à prier en langue. I pity young. I prayed in tongues when I was 11 years old. J'ai commencé à prier en langue quand j'avais 11 ans. That's when I received the gift of the Holy Ghost. C'est quand j'ai reçu le don du Saint-Esprit. 11. À 11 ans. So we began praying. Donc on a commencé à prier. 30 minutes. 30 minutes. The doctor who had delivered my wife, le who had come to congratulate femme, me, had taken off his clothes and had gone to eat lunch. He said, I'm going to eat lunch. Le médecin qui est venu, before I realized, he had come back in front of me, into the room, and said, Wallahi. Wallahi. This one.
I said, intensify your tongues. Intensify your tongues. Je commence à prier vraiment. J'ai intensifié ma prière. Oh, then the nurse will come. Shoo, then come. Shoo, shoo. Alors l'infirmière est passée, est passée, est repassée. 30 minutes, 40 minutes, 40, 1 hour, 1 heure, 1 and a half hours, 1 heure et demie. And you know, in times like that, the time seems so. Then et le temps paraissait then tellement long. The doctor called me. À un moment donné, le médecin m'a appelé. He called me when he said, "Please come with me." Il m'a dit, viens. So I said, ah. So I went to. We entered the room. Donc on est entré dans la salle. My wife was not there. Ma femme n'était pas là. He said, "Gentlemen, please sit down." Il m'a dit, jeune homme, s'il te plaît, assieds-toi. I said, "This man better have something better to tell me." J'espère que cette personne a une bonne annonce à me dire. So I sat down. Non, je me suis assis. They said, j'ai pris ma respiration. Said the worst has come and gone. Il m'a dit le pire est arrivé et est passé. He said, but your wife is still unconscious. Mais ta femme est toujours inconsciente. She's on an not drip. She's on a respirator. Elle est sous respiration. Yeah, she's unconscious on a respirator. That means that a machine is breathing for her. Elle est toujours sous appareil respiratoire. And the ward she was in, they didn't have certain machines. Et la salle dans laquelle elle était, il y avait pas ces machines là. So they needed to take her to intensive care. Donc ils devaient l'emmener dans les soins intensifs. And the only reason why they told me was because they would have passed her in front of me, because I was sitting right at the door. And if there was a back door, they would have passed the back door. That is why they called me to tell me. That's the only reason. Et la seule raison pour laquelle ils m'ont appelé, c'est pour me prévenir de cela. I said, ah. Je dis, ah, ok. Okay. So they came, she on this thing. Donc ils sont passés avec ma femme devant. They took her to the ambulance. Ils l'ont mis dans l'ambulance. Ils devaient l'amener aux soins intensifs. Still praying. Je continue à prier. I remember the eyes of the doctor. Je me rappelle les yeux du médecin. Fear in his eyes. Il y avait de la peur dans ses yeux. You see, my wife is a doctor also. Ma femme aussi est médecin. And one of the things that doctors don't like. Et une des choses que les médecins n'aiment pas. Is when a fellow doctor dies in their hands. C'est quand un autre médecin meurt dans ses mains. Now, if it means they're going to the moon, they will go. Dans ce jour-là, si ils doivent vraiment rater ce jour-là pour aller à la lune, ils iraient. They will go. Ils iraient. So they took care. They did all the things. Donc ils ont pris. She was still unconscious. Elle était toujours inconsciente. But now they had stabilized her. Maintenant, ils avaient réussi à la stabiliser. So I came back to look for my daughter. Donc je suis revenu pour. When I went to my doctor, my daughter's ward, she wasn't there. Quand je suis revenu à la place où j'avais ma belle-sœur, elle était plus là. I asked the nurse. Where is my daughter? Je lui ai posé la question à l'infirmière, mais où est ma belle-sœur? Ma fille. Where's my not doctor, daughter. She said she also her blood sugar just began dropping. So we rushed her to neonatal intensive care. That's the baby's intensive care. Donc ils ont dit, so when I went down. My little baby was she was also in a respirator with drip. And machines on her. Non, j'étais avec ma petite fille et elle était là. Quand je suis revenu, elle n'était pas à sa place. Et les médecins ont dit, mais elle a juste commencé à avoir des problèmes sanguins. On l'a amené dans une salle avec des appareils respiratoires. I became happy because I knew that this one is direct attack. Et j'ai commencé vraiment à devenir and fou. You know who you are dealing et je me suis dit, with. Ça c'est vraiment une attaque directe de l'ennemi. One of the things I like best is when I know who I am dealing with. J'aime bien ce genre de choses quand when je sais avec qui je traite. I've solved half my problem. Je me suis dit, oh, comme je connais qui m'attaque là, c'est l'ennemi, je vais pouvoir attaquer cela. But now I knew as a hope, guy. This one is not a problem. Je me suis dit, là, au moins là, je vois maintenant qui m'attaque so clairement. So I went back. Je suis rentré. To my wife, because we're in different places. One was at a children's center. The other one was at intensive care. Donc ma femme était amenée aux soins intensifs et ma fille était amenée là où il y avait les soins pour les enfants. Yeah. Was between these two. Donc j'étais entre les deux pavillons. I'd phoned all my friends. Et entre temps j'avais appelé tous mes amis. That oh my baby has come. J'ai déjà dit mais oh mon so ma fille So people were calling me back. Venue. I sent them texts. So they were calling me congratulations. At a point I said it's not time for congratulations. Et j'ai commencé à m'envoyer des textes. Oh merci félicitations et tout. Long mais là, story dit, non, short. C'est pas le moment de me remercier, de féliciter maintenant. Let me cut a long story short. Donc je vais raccourcir un peu. So by the grace of God. Par la grâce de Dieu. I went home. My wife was still on. When I got home,
Je suis rentré à la maison. Children, il y avait mes deux enfants. My son and my daughter. Mon fils et ma fille. Came to me, said, "Where is mommy?" So when they said, "Mais où est maman?" When they said, "Where is mommy?" I began to cry. Quand ils m'ont posé la question, j'ai commencé à pleurer. I just started weeping. Je commençais à pleurer. I want to lie in my bed. Je voulais me coucher sur that mon lit. That night, throughout the night, I could hear my wife's voice. Toute la nuit, je pouvais écouter ma femme. How are the children? La voix de ma femme. At the point, she said, "Is the front door locked?" Because that's my wife. She's always locking doors. Et ma femme me disait, "Mais où sont les enfants? Tout se passe bien. T'as fermé la porte?" Yeah. I got up and I locked the front door. I went to check the front door. Je me suis levé, je suis allé fermer when la I porte. Checked, it was locked. Et quand j'ai vérifié, ma porte était déjà fermée. It's locked. And the voices stopped. Et la voix, toutes ces voix qui me venaient en tête, c'est parti. And the next morning. Et le matin suivant. The next morning. Le matin suivant. I was having my devotion. Je faisais ma dévotion. And at a point. Et à un moment. I just felt that my wife was well. J'ai commencé à sentir que ma femme allait bien. J'ai juste senti ça là comme ça. I knew everything was it's okay now. Je savais I que knew. Tout allait bien. Je savais pas comme ça, mais j'ai juste senti okay. Ça venir sur moi. So I started worshiping. J'ai commencé à adorer. As I began worshiping. Pendant que je commençais à adorer, I felt God's presence. J'ai senti la présence de Dieu. He was standing in one of the. I couldn't see him. I knew he was standing in the corner. C'est comme si vraiment je savais qu'il était vraiment debout dans un coin. And I began to weep. And j'ai commencé à pleurer. Et I heard this verse. Et j'ai entendu ce verset. Yea, though I walk through the valley of the shadow of qui disait, death. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. I will fear no evil. Je ne craindrai aucun mal. Listen, for thou art. You parce know what Jesus tu told es me? Avec moi. Jesus told me that et when Jésus it comes dit, to issues of life and death. Quand ça, il y a des problèmes de la vie he de la mort. He doesn't send angels. Il n'envoie pas des anges. He comes himself. Il vient lui-même. He said, I will fear no for thou. Dit, car moi, art with me. Car tu es avec moi. So, on his way back to heaven. Donc dans son aller vers he le just, ciel. He just passed through my room. Il est juste passé dans ma chambre pour me dire cela. I said the testimonies of the Lord are sure. Je vous ai dit, le témoignage du Seigneur est sûr. When he says something, quand il dit une chose, he is sure about it. Il est sûr de cela. That same psalm, ce même psaume, David, a shepherd boy, un he said, berger, thou anointest my head with oil. Dit, toi, tu as oint d'huile ma tête. In those days, et en ce jour-là, is somebody with me or you are sleeping? You better be here, man. What I'm preaching is so powerful. Parce que je dis, c'est vraiment it's puissant. So powerful. In those days, dans ces jours-là, it would be crazy. Ça aurait été une folie for a shepherd boy pour un berger to imagine oil being poured on his head. D'imaginer que de l'huile soit versée sur sa tête. It's impossible. C'était pas possible. In those days, there were only two categories of people who had oil being poured on them. À cette époque-là, les deux catégories qui pouvaient kings, espérer avoir de l'huile sur leur tête, c'était tout. Les rois tout. Et les prêtres. Tout. Seulement ces priests deux catégories, and les prêtres kings. Et les rois. What business does a small boy in the bush? Qu'est-ce qu'un jeune garçon what business dans la savane does a small a boy in the bush? Un jeune garçon dans la savane, dans la bouche, with some few sheep, avec des brebis, to dream, pouvait rêver that thou que anointest my head with oil. Dieu pouvait oindre sa tête d'huile. But you know, mais vous savez, God saw something in the boy. Dieu voit quelque chose. He said, man, this guy got guts. Il avait quelque chose dans le garçon. He said, this guy has guts. And this guy really loves me. Il est courageux. Yeah. Yeah. He is something. For a shepherd, small, and that time, remember, he was about 16 years old. Et ça, je me rappelle, il avait, donc, il avait à son époque 16 ans. Because in those days, he was not qualified to fight for the army. Et pas à cette époque-là, donc, 16 ans, il n'était pas qualifié pour. Yeah, he was not 18. No, not 18. Il n'avait pas 18 ans. Not 18. So when Saul disappointed God. Donc quand Saul a Saül a déçu. He said there's a boy in the bush.
Elle a dit, il y a un garçon dans la brousse. He likes the oil. Il aime l'huile. So he told Samuel, said, go to the house of Jesse. Donc il a dit à Samuel, va dans cet endroit-là. One of his sons. Et un des enfants. So when Samuel got to the house. Donc quand il est arrivé à la maison. When Samuel got to the house. Quand Samuel est arrivé à la maison. When Samuel got to the house. Quand Samuel est arrivé à la maison. He saw Eliab. Il a vu Eliab. Samuel said, yeah. Yeah. That's him. Il a dit, ça c'est lui. Samuel a dit, ça c'est vraiment lui. God said, no, no, no. Dieu a dit, non, non, c'est pas lui. He's not the one who has been singing to me in the bush. Il n'est pas celui qui chantait pour moi dans la brousse. He said, I've rejected him. Il a dit, lui, je l'ai déjà rejeté. Say, you look at the out. Toi, tu regardes seulement à l'extérieur. Me, I look in the heart. Moi, je regarde à l'intérieur. He rejected everyone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'au septième. Ça va. Ah. Et puis Samuel s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? But the word of the Lord is sure. Mais la parole de Dieu est sûre. I heard the word. Et j'ai écouté la parole. You said house of Jesse. Tu m'as dit les enfants de Jesse. Then he asked Jesse. Et j'ai posé la question. Is there yet another child? Est-ce que tu as un autre fils? Is there yet another son? Est-ce que tu as un He autre said, fils? Oh. Elle a dit oh. There's someone nyanga nyanga boy nyanga 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 in the bush. Petit garçon dans la savane, dans la brousse. Someone said. Samuel a dit, I will not sit down. Il a dit, je ne m'asserai pas until he comes. Jusqu'au moment où il sera là devant moi. The testimony of the Lord is sure. Le témoignage du Seigneur est sûr. That is why you trust the word of God. C'est pour cela que nous croyons la parole de Dieu. Jesus said, let not your heart be troubled. Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble point. Ye believe in God. Croyez en Dieu. Believe also in me. Croyez aussi en moi. He says, my father's house, there are many mansions. Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs appartements. Are you sure? Êtes-vous sûr? God said, Jesus said, if it was not so, I will not tell you. I will not. Il dit, si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. So I go to prepare a place for you. Donc je vais préparer une place pour vous. That where I am. Pour que là où je suis. A lot of you don't believe some of these things. Beaucoup d'entre vous ne croient pas ce genre de paroles. You see it as a storybook. Vous les prenez comme une belle histoire. To you, the word of God is just like Lord of the Rings. Pour vous, la parole de Dieu c'est comme le Seigneur des Anneaux. Harry Potter. Ou Harry Potter. A story that has a beginning and has an end. Une histoire qui a un début qui a une fin. Margaret, the word of God is different from every story. La parole de Dieu est différente de n'importe quelle histoire. Because the testimonies of the Lord. Parce que le témoignage du Seigneur. They are sure. Est sûr. Anytime you read the Bible. À chaque fois que vous lisez la parole. Ask the Lord. Demandez à Dieu. Are you sure? Es-tu sûr? He will respond. Il va te répondre. I am very Je suis sure. très sûr. Put your hands together for the Lord. Applaudissez pour Dieu. Quickly. Are you learning something? Est-ce que vous apprenez quelque chose? The next reason why you should trust the word of God. Dans la raison suivante pour laquelle vous devez apprendre la parole. Is that God's word is right. C'est que la parole de Dieu est juste. 8. The statutes of the Lord. 9. Les décrets de l'Éternel. Are right. Sont droits. One of the things that I've come to notice in the word. Une chose que j'ai remarqué dans la parole. When God says something. C'est quand Dieu dit quelque chose. He is not wrong. Il ne dit pas quelque chose qui est faux. He is right. Il dit quelque chose qui est juste droit. Jude. God doesn't make mistakes so that he repents and says, oh, I'm sorry, this was Dieu wrong. Dieu ne fait pas des erreurs pour dire, oh, je suis désolé. Look at how many books have been written in the past. Regardez comment des livres ont été écrits dans le passé. Every other year, they come out with something new. Chaque année, il y a toujours des nouveautés. Second edition, third edition, fourth edition, Deuxième fifth edition. Troisième édition, quatrième édition, ainsi de suite.
Sometimes politicians make statements. Des fois, les politiciens font des déclarations. They are so sure about it. Ils sont tellement sûrs de cela. But at a point, mais à un point, they realize they were wrong. Ils réalisent qu'ils ont fait faux. But not the word of God. Mais jamais la parole de Dieu. I have been a Christian for 26 years. J'étais chrétien depuis 26 ans. I have never heard God apologizing for something that he wrote in his word. Je n'ai jamais entendu Dieu s'excuser vis-à-vis de moi. Never. Jamais. When he says it, quand il dit quelque it chose, is right. C'est droit. That is, you see, the world cannot handle the confidence of God. Vous savez, le monde ne peut pas tenir ou supporter la confiance de l'Éternel. Let me see. All right, it's a nice picture. If I. The world cannot handle it. Le monde ne peut pas. That's why every time cela. When Christians speak, they become angry. C'est pour cela que quand les chrétiens parlent de Dieu, ils sont énervés. But we have no apology. Mais on n'a pas besoin de s'excuser sur cela. That is why we can say homosexuality is wrong. C'est pour cela que les chrétiens peuvent dire que l'homosexualité what est you mean? Mauvaise. You're intolerant. You're really... Shh, please. Les gens peuvent parler. As far as my God is concerned. Aussi longtemps que mon Dieu did you est concerné. What do you mean? Oh, il dit, non, mais la Bible dit n'importe quoi. Je leur dis, The statutes of the Lord are right. Les statuts, les décrets de l'Éternel sont droits. Soon you will come and see that it was right. Vous verrez de toute façon qu'ils sont de toute façon droits. That God was right and not wrong. Que Dieu était juste et jamais faux. When he said, don't have sex before marriage. Quand il dit, n'ayez pas du sexe avant you le mariage. Will see that God was right and you were wrong. Vous verrez que Dieu so, était God, juste et vous man, étiez faux. If I wanted to hold my boobies, let him squeeze my boobies. After all, it's my body. You squeeze. You squeeze. Touche mes seins, pince mes seins, masse-les. But you will realize. Mais tu réaliseras. That the word was right. Que la parole était juste. And you were wrong. Et toi, tu étais faux. The word of God is right. La parole de Dieu est juste. It's not wrong. Elle n'est pas fausse. When you see the commandments of God. Quand vous voyez les commandements de Dieu. When you hear preaching. Quand vous écoutez les prédications. Of course, a preacher, because he is a human being, will make mistakes. Un prédicateur, lui, parce qu'il est humain, il peut faire des erreurs. But the word of God in the word of God. Mais la parole de, dans la parole it is, de Dieu. Is right. C'est vraiment juste. Amen. Amen. The last reason why I should trust the word of God. La dernière raison pour laquelle on doit faire confiance en la parole. Oops. Don't worry. Verse 8. Verset 8, 9 en français. Okay. The commandment of the Lord. Les commandements de l'Éternel. My Bible says is pure. Donc, on dira les commandements de l'Éternel sont purs. Sont purs. It's pure. Elles sont pures. You can't purify it further. Vous ne pouvez pas la purifier encore plus. No. Amen. Amen. Four effects of the word of God. Quatre effets de la parole de Dieu. Four effects. Quatre effets. And then we'll take a short break. Après, on aura une pause. This one, I'll do it fast. Our lunch, oh, okay. This one, I'll do it quickly. Donc là, je vais faire rapidement maintenant. But are you being blessed by this camp? Mais est-ce que vous êtes are you going to be faithful in the word? Est-ce que vous serez fidèle à la parole? Are you going to be faithful in the word? Est-ce que vous serez fidèle à la you parole? You guys need to be faithful with God's word. Vous devez être fidèle you à la parole faithful. De Dieu. You guys. Réellement fidèle. Yeah. You guys. Rachel, you need to be faithful with God's word. Rachel, tu dois être vraiment fidèle à la parole. Do you understand what I'm saying? Tu comprends ce que je dis? I came because of you. Je suis venu ici pour toi. Israel, be faithful with God's word. Sois fidèle avec la parole de Dieu. Okay. Four effects of the word of God. Quatre effets de la parole de Dieu. Still Psalm 19. Toujours au Psaume 19. Verse 7. Verset 8 en français. It says, the law of the Lord is perfect. La loi de l'Éternel est parfaite. Converting the soul. Converting. Elle donne du réconfort. Well, my says
converting the soul. In other words, ouais, donc elle réconforte les cœurs. No problem. No problem. Comfort to the care is okay. When you talk about converting something, donc, quand on parle de restaurer ou de réconforter quelque chose, it talks about changing something into a better situation. Ça veut dire que vous transformez quelque chose en quelque chose de meilleur. And the you see, our education has the ability to change our minds. Et vous savez, c'est que notre connaissance a la capacité de transformer notre pensée. But doesn't have the ability to convert our souls. Mais ça ne peut pas transformer notre âme. That is why you have people who are very intelligent. C'est pour cela que vous avez des gens qui sont très intelligents. Very intellectual. Très intellectuels. Very successful. Qui ont beaucoup de la réussite. But when it comes to their souls, mais quand ça concerne leur cœur ou leur âme, they are deficient. Ils sont déficients. They are like babies. Ils sont comme des bébés. They don't have self-control. Ils n'ont pas de maîtrise, de self-control. Sometimes you see some very successful people. Vous verrez peut-être des gens qui ont beaucoup de réussite. And in the news. You hear the things they do. Vous entendez ce que ces personnes font. You'll be surprised. Vous serez surpris. Sometimes you have big men. Il y a des gens peut-être qui sont très grands. They've had sex with babies. Ils ont du sexe avec des bébés. Sex with dogs. Avec des chiens. Sex with pigs. Avec des porcs. They try sex with Indian girl. They say, I want Chinese. On dit maintenant je vais faire le sexe then avec they try des Indiens. Then I like Arabia. Maintenant je vais essayer d'autres like personnes encore. They've done everything. Nothing satisfies their soul. Il n'y a rien qui arrive à satisfaire leur âme. And there's no conversion of their souls. Il n'y a pas de transformation, de restauration de leur âme. They are intelligent. Leur intelligence. They are intellectual. Leur intellect. But there's no conversion of the soul. Ils sont peut-être intelligents, mais il n'y a pas de restauration de leur âme. Greed. Greed. Do you know greed? Everything. Greedy. I used to know greedy. No, Ava is stingy, eh? No, well. Gourmand, yeah. Something like that. What's no, Ava? Pava. Gourmandise. Oui. Egoise. Egoise, yeah. You see, yeah, we'll look for gloutonnerie. It. Gloutonnerie. Greed. C'est être gourmand, mais dans le mauvais sens. It is not changed by more money. Ça ne change pas avec plus d'argent. It is changed by the word of God. Ça change par la parole de Dieu. Yeah. So what I am saying is that dans ce que je dis, the only thing that has an ability to convert your soul, dans la seule chose qui a la capacité de transformer votre âme, c'est la parole. A lot of people are bitter. Des gens qui sont amers. Bitter inside. Il y a de l'amertume en vous. With an inability to forgive. Avec l'incapacité de pardonner. And love. Et d'aimer. No therapy can change you. Aucune thérapie ne peut vous changer. The word of God. Seulement la parole de Dieu. Will change you. Vous changera. One of my favorite books written by the bishop. Un de mes livres favoris que l'évêque a écrit. It's forgiveness made easy. C'est le pardon rendu facile. I love that book. J'aime beaucoup ce livre. I love it. J'aime beaucoup ce livre. Because it makes forgiveness. Parce que ça rend le pardon easy to do. Plus facile à faire. The first effect of the word. Le premier effet de la parole. Is that it converts your soul. C'est qu'elle restaure votre âme. Let's continue. Continuons. Oh, there are so many wonderful things, I tell you. Il y a tellement de bonnes choses, je vous dis. Verset 8. The testimony of the Lord is sure. We've talked about that. Le témoignage de l'Éternel est sûr, on a déjà parlé de cela. Making wise the simple. Maintenant, il rend sage celui qui manque d'expérience. No, you guys, you are too sleepy for the revelation I'm bringing. Vous êtes vraiment trop endormi pour les bonnes but révélations I'm very qui sortent. I'm very charged about what I'm preaching. Je suis chargé de la parole de Dieu. I'm so blessed by what I'm preaching. Je suis tellement béni parce que je raconte. Wisdom. La sagesse. It
comes from the word. Vient de la parole. I gave my life to Christ when I was 11. Je donnais ma vie à Christ quand j'avais 11 ans. Before I entered school. Avant que je commence l'école. Secondary school or high school. Dans l'école secondaire. Throughout secondary school, I had friends. À travers l'école secondaire, j'avais des amis. I'd preach to them. Je leur ai prêché. I said, "Give your life to Christ." Je dis, donnez votre vie à Christ. They didn't mind me. Et ils ne sont pas occupés de moi. There was a particular brother. Il y avait un frère particulier. I loved him very much. Et je l'aimais beaucoup. Nice. Il était vraiment sympa. The only thing was that he was not born again. La seule chose, c'est qu'il n'était Anytime pas encore né de nouveau. Preach to him, I say, you need to give your life to Christ. Et quand je lui prêchais, je disais que tu devais donner ta vie à Christ. Il me disait, Oko. But I'm not a bad person. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. I said, it is true, but our righteousness is like filthy rag before God. Mais je dis, c'est vrai, mais notre justice est comme de la saleté devant but Dieu. But this friend of mine who said he was not a bad person. Mais cet ami qui m'a dit qu'il n'était pas une mauvaise personne. He was very bad. Il était vraiment mauvais. He could smoke. Il pouvait fumer. He could drink. Il pouvait boire. It is even recently that I found that he used to tell me that girl, you know girl. Vous savez les femmes. Il m'a raconté dernièrement que même les femmes. I didn't even know that about him. He said. Et je ne savais même pas par rapport à tout cela. Il m'a dit. Give him 2 weeks. Il m'a dit donne-moi 2 semaines. Conquer. Pour conquérir. Yeah. If you can give him consistent to, if, I didn't even know that one about him. But he used to come to me and say, but you know I'm good. Et il disait, il venait vers moi en me disant, mais tu sais que je suis bon. So we were growing up. Donc on grandissait. And as we were growing up and I was getting closer to God. Et pendant que je grandissais, je me rapprochais plus and de as Dieu. He decided not to change, et lui, il décidait de ne jamais changer. Our paths began to split. Nos chemins commencent à se séparer. But this friend of mine, mais cet ami-là, he was a reckless boy. Reckless. He liked driving, motorcycles and things like that. Il aimait les sports à risque, donc les motos et tout le reste. One day, et un jour, one day, un jour, he was on his motorcycle. Il était sur sa moto. And he was riding, et il fonçait. And in Ghana, we have speed ramps. Et vous savez, au Ghana, il y a des dodans. Wicked speed ramps. Donc des dodans vraiment très designed méchants. By fools, not engineers. Qui ont été mis là vraiment par des gens stupides, pas des ingénieurs. Non. Yeah. So one day he was riding on his motorcycle at top speed. Un jour, il allait avec sa moto vraiment à la vitesse maximale. He didn't see the speed ramp. Il a pas vu ce dodan. Then he went whoom. Et il a sauté. The bike went up. La moto est montée. Dropped on the ground. Il tombé par terre. He also dropped on the ground. Il tombe aussi par terre. And his stomach split. Et son estomac s'est ouvert. And the intestines came out. Et les intestins sont sortis. Fortunately for him, there were some of my friends et heureusement around, pour lui, un de mes amis including arrivé, a doctor, et même un médecin aussi. And they got an ambulance, et ils ont amené une ambulance. And they rushed him to the hospital, et ils l'ont conduit rapidement à l'hôpital. And they did surgery on him. Et ils ont the fait une road chirurgie. Had scraped his big large intestine. Donc carrément la moto lui so they had to cut about 6 inches of his large intestine and sew it together. Et donc ils devaient. Sorry. They cut the large intestine. Ils ont coupé son intestin. Yeah, about 6 inches. Donc, about 10 centimeters. 10 centimètres. Yeah, they cut it and then they had to join it. Et il devait après les rejoindre. Yeah, big. Yeah. So now his large intestine is shorter than a normal one. Donc son intestin maintenant est moins grand que la normale. Yeah. So his mother came to me. I didn't even know about this. Donc sa mère est venue vers moi. Je ne savais pas par rapport à cela. His mother said to me, Oko, sa mère m'a dit, Oko, your friend, ton ami. Your friend. Ton ami. I don't know what to do again. Je ne sais pas quoi faire encore avec lui. What to do again. Je ne sais pas quoi faire avec lui encore. So, I went to look for him in the hospital. Donc je suis allé le voir dans son hôpital. When I got there, there were tubes in his nose. Quand je suis venu vers lui, il y avait des tubes dans son nez, dans sa gorge. And he was lying down. Il était étendu. I thought he was asleep. Je croyais qu'il dormait. So I said to myself, "Oh, I'll come back later." Je me suis dit, ok, bon, peut-être je dois repasser après. But when he heard my voice, et quand il a entendu ma voix, he woke up, il s'est levé. And he said, "Oh, come." Il m'a dit, s'il te plaît, viens. And I came. Je suis venu. And I spoke to him. Et je lui ai parlé. And I said, "Why?" Et je lui ai dit, pourquoi? Why are you killing yourself? Pourquoi tu te tues toi-même? Why are you killing yourself? Pourquoi tu fais ça toi-même? I remember that day I took him 2 books. Et je me rappelle, je lui ai apporté 2 livres. They went to hell. Dans le livre qui dit, ils sont allés en enfer. Born again. Et le livre né de nouveau. Written by the bishop. Écrit donc par l'évêque. And I left him. Et je lui ai laissé ces 2 livres. That's right.
A few months later. Quelques mois après. No, I think a year later. Je pense même une année après. I was in church on a Tuesday. J'étais à l'église un mardi. Tuesday evening service. C'était donc le culte du mardi soir. And after the service, I was standing on stage speaking to a friend. Après le culte, donc j'étais toujours là en train de parler avec un ami. When I felt a tap on my back. À un moment donné, j'ai entendu une personne qui me tapait de derrière, qui me touchait, et je me suis retourné. And here was my friend. Et mon ami qui était à l'hôpital était là. I almost fainted. Donc j'ai failli tomber. Because he never goes to church. Parce qu'il n'allait jamais à l'église. Jamais. But here he was. Mais là, il était là. When he saw the shock on my face, quand il a vu le choc sur mon visage, started laughing. Il a commencé à rigoler. He said, I know you are surprised. Il m'a dit, je sais que tu es surpris. So I said, what are you doing here? Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? I said, oh, qu'est-ce que tu fais là? I came to church. Non, mais je viens à l'église maintenant. He said, oh, he told me that he's not in the headquarters, he's in another branch. Il m'a dit, non, je ne suis pas au quartier général, mais je suis dans une autre branche de l'église. He said, we'll talk. Il a dit, on parlera. And he left. Et il est parti. Immediately, I went to look for his pastor. I went to look for his pastor. Immédiatement, je suis allé voir son pasteur. I said, this guy says he's in your church. Je lui dis, mais cette personne est dans ton église. Yeah, he's in my church. Il dit, oh oui, il est dans he's mon église. Stable. Il est stable. Doing oh, you won't clap for him. Vous n'allez pas applaudir. He's doing well. But what am I saying? Mais qu'est-ce que je veux dire par cela? Did my friend have to today? He's also a, he was a he's a J Church pastor. Aujourd'hui, yeah, in the Adventist Church, il est pasteur well. Dans l'église des jeunes. Amen. I use him to preach all the time. He says every time I should use him to preach. Donc, il aime toujours que je puisse lui demander de prêcher. He says I should use his testimony to warn young people. Il aime toujours que je puisse utiliser ses témoignages pour avertir des jeunes personnes. My question is. Et ma question est. What was the difference between me and him? Quelle est la différence entre lui et moi? We were children. On était les deux enfants. We are the same age. On avait le même âge. But you see, mais vous voyez, the word of God, la parole de Dieu, made me a simple person. A fait de moi une personne simple. Look wise. À devenir plus sage. Whereas he, alors que lui, without the word, sans la parole, looked foolish. Devenait stupide. Why should he go through all those problems? Pourquoi il devait passer par tous ces problèmes? Motorcycle and that one was like the problems in his life. Donc l'histoire de la moto c'était juste un détail. Cannot, mais les problèmes dans sa vie I cannot say all. Je ne peux pas tout raconter. Young people, jeunes personnes, if you want to look wise, si vous voulez paraître plus sage, even though you are young, alors que vous êtes jeune, read the word. Lisez la parole. Read the word. Lisez la parole. It says the statutes of the Lord are sure, making wise the simple. Il dit les décrets de l'Éternel sont droits, sont justes et il rend sage ceux qui manquent d'expérience. I'm not on drugs. Je ne suis pas dans la drogue. I was just saying, if I'm preaching and a woman comes into the room, big stomach, and says that you are the one who did it, I say, please look at my face well. Et je dis, même s'il y a une femme qui rentre un jour ici avec un gros ventre en disant, toi c'est toi qui m'as engrossé, je dis, oh, non, moi j'ai aucun problème. Et sur mon visage, il y aura rien qui va montrer quoi que ce soit comme signe de défaillance. Je sais que j'ai aucun problème avec les gens. Prenez photo de moi. May you become wise young people. Que vous devenez des personnes sages. Wise. Sages. Third effect. Troisième effet. Verset 8. 9 en français. The statute of the Lord are right. Les décrets de l'Éternel sont droits. Rejoicing the heart. Ils réjouissent le cœur. One of the things about people who are always in the word. Une des choses des personnes qui sont toujours dans la parole. They always have joy. Ils ont toujours de la joie. Always. Toujours. Always. Toujours. Always. Toujours. Nothing can pressurize them. Rien ne peut être une pression pour eux. I'm not saying that they don't have problems. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des problèmes. What I say is that they always have joy. Je veux dire par là c'est qu'ils ont toujours they la joie. They always have joy. Ils ont toujours la joie. Because of the word. À cause de la parole. My moods are not determined by how much money is in my pocket. Donc mes émotions ne sont pas déterminées par la somme d'argent que j'ai dans mon porte-monnaie. My moods are not determined about
my exam results. Dans mon attitude, mon émotion n'est pas déterminée par mes résultats d'examen. Of course, I should do well. And même si c'est vrai que je dois bien réussir, well. Et je demande à tout le monde de réussir convenablement à l'école, but I'm not shaken. Mais je ne suis pas secoué. I always have some joy in my heart. J'ai toujours de la joie dans mon cœur. The joy of the Lord. La joie du Seigneur. Is in my heart. C'est dans mon cœur. One of the things about you don't have problems. I have challenges. C'est vrai, j'ai des problèmes. J'ai des défis. J'ai beaucoup de situations difficiles. But when you come around me, mais quand vous venez près de moi, you will feel joy. Vous allez sentir de la joie. Don't you prefer joy? Ne préférez-vous pas la joie? We don't like happiness. Ou bien vous n'aimez pas être heureux? Please have become quiet. Tout le monde devient tranquille. Let me give you the last one. Je vous donne le dernier point. I thought you go, but it's the funny thing about when you leave this door. Mais la chose la plus drôle, si vous quittez cette place. Verset 9. Commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent la vue. Amen. I like it. Éclaire la vue. I like it. You will see things clearly. Tu vas voir les choses clairement. You don't understand what I'm saying. I said you will see things clearly. Je vais voir les choses clairement. Clearly. Clairement. Clearly. Clairement. Young lady, when that guy comes and says, "I love you," jeune fille, quand un garçon vous dira je t'aime, you will see clearly. Vous allez commencer à voir les choses clairement. 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 Clear. Clairement. You see clear. Because a lot of young ladies don't see clearly. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne voient pas clairement. They see something else. Ils voient les choses autres. They don't see clear. Ils ne voient pas clairement. May you see clearly. Que vous puissiez voir clairement. When you look around and you see people driving, looking very. I mean, like when there is no pop star in this world that I envy. Il n'y a aucune star, il n'y a aucune pop star que j'ai envie. I wish I had money to bet. Nobody. Il n'y a personne. Including Bill Gates. Même Bill Gates. I don't want his life. Je ne veux pas sa vie. With his $52 billion. Avec ses 52 milliards de dollars. When you have the word of God. Quand vous avez la parole de Dieu. You will see that it is all vanity. Vous allez voir que tout cela c'est vanité. It's true. C'est you vrai. See, you can't come God, you don't believe. Mais vous ne croyez pas. Are you sure? Êtes-vous Are sûr? You sure? Êtes-vous sûr? See David Beckham. Vous voyez David Beckham. In 5 years, you'll not hear his name again. Dans cinq ans, on ne reconnaîtra même plus qui il est. But in 5 years, you hear my name again. Mais dans 5 ans, vous entendrez toujours parler de moi. If I'm not dead and gone, or Jesus hasn't come for me. Si je ne suis pas mort ou si Jésus n'est pas venu me prendre. But as long as this Lord lives by the grace of God. Mais aussi longtemps que mon Seigneur vit. I don't envy anybody. Je n'envierai personne. I see a new car, Mercedes Benz. It is in the shape of a moon. Je verrai une nouvelle Mercedes avec. God bless the moon. Je dirai Seigneur béni. God bless me. Seigneur bénis-moi. I see the moon and the moon sees me. Je God la bless lune, the moon and God bless me. That is as far as it will go. Ça c'est aussi loin que ça peut aller. But it would, I say it in French again, the view éclaire. Say it again for me. Donc la parole de Dieu éclaire la vue. Éclaire la vue, la vue. It makes your view clear. Votre vue devient claire, limpide. The Nigerians have something they say, shine your eye. It don't shine your eye. Les Nigérians disent il faut faire briller les yeux. Shine your eye.
What is the first reason why you should trust the word? Quelle est la première raison pour laquelle vous devez faire confiance? Everybody, please. Ça restaure le cœur. You see? L'âme. No. The first reason why we can trust the word. I'm not talking about the effects. Je parle des raisons. Not the effects. It is perfect. Very good. C'est parfait. What is the second reason why we can trust the word? Quelle est la deuxième raison? It is sure. Parce qu'elle est sûre. Tell to your neighbors, are you sure? Dites à votre voisin, dites-lui, es-tu sûr? Look to God. Look to God and say, God, are you sure? Regardez Dieu, dites, Dieu, es-tu sûr? God says, I am sure. Dieu dit, je suis sûr. What's the third reason why you can trust the word? La troisième raison. It's right. You will realize that he was right and you were wrong. Vous allez réaliser qu'il était juste et vous étiez faux. You realize. Vous réaliserez. That he who loves silver shall never be satisfied with silver. Que celui qui aime l'argent ne sera jamais satisfait par l'argent. You will realize that God was right and you were wrong. Vous allez réaliser que Dieu était juste et vous étiez faux. Oh God, if I can only get 3 million. Oh Seigneur, si je pouvais seulement avoir 3 millions, seulement 3 millions. Seulement 3 millions. How many of you got 3 million right now you like? 3 million Swiss francs. 3 millions, 3 millions, 3 millions. Me too, I've lifted my hand. Moi aussi je lève ma main, moi aussi je lève ma main. And my leg. Je lève ma main. Hey. I like. But when you get the 3 million, you'll be surprised that you still have needs. Mais quand vous aurez vos 3 millions, vous serez surpris de savoir que vous avez toujours des besoins. So if I can get 10. Donc si je peux seulement avoir 10 millions. Then when you get the 10, you realize vous aurez les 10 millions, the house you really want to live in costs 25 million. Vous réalisez que la maison que vous voulez vraiment avoir coûte en fait 25 millions. Yeah. That's why God says, don't love the silver. C'est pour cela que Dieu dit n'aime pas l'argent. It will not satisfy. Ça ne va jamais te satisfaire. What's the third effect? Quelle est la troisième reason why we should troisième trust? Raison. So what's number one? I'm sorry. Le point numéro un, raison numéro un. Right, sure. C'est droit, c'est juste. Perfect, sure, right, and pure. Okay. Parfait, amen. Droit, what are the four juste, effects? What sûr. Are the four effects? Maintenant, les quatre effets. Les quatre effets. To convert your soul, ça number two. L'âme. Deuxième point. It will make the wise. Ça donne de la sagesse à ceux qui manquent d'expérience. It will make, sorry, to make simple people wise. Les gens qui manquent d'expérience seront sages. Troisième, ça réjouit le cœur. Et puis après, ça éclaire la vue. Éclaire la vue. Shining the eyes. Amen. Father, we thank you so much for an opportunity to hear your word. Lord, as we continue in this camp, bless us. Bénis-nous. Make us faithful. Rends-nous fidèles. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lead Pastor Mary.